Bonsoir à tout le monde. Il est 18h30, donc je vous propose que nous démarrions ce conseil communautaire du 6 juillet 2022. Vous informer dans un premier temps que nous avons la présence en nos lieux de Maître Elissalde, qui est un huissier de justice, qui est juste là, il vient de se lever derrière Vanessa Muller. Voilà, effectivement, il va assister à notre séance ce soir. En effet, au regard des appels à manifester qui ont circulé sur les réseaux sociaux, M. Elissalde sera présent pour s'assurer de la conformité et de la légalité des échanges qui vont être, bien sûr, organisés ce soir. Merci pour sa présence. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce soir donc un conseil communautaire avec beaucoup de présents. Déjà, au début de l'été, on pouvait avoir quelques craintes de l'absence de certains d'entre vous. Ça n'est pas le cas. Donc, je vais procéder à l'accueil. Alain Dichary. Hop, je vais quand même prendre mon petit stylo. Alain Dichary, présent. Jean-Marc Lard. Eva Belin. Pierre Pasquier. Nadine Duru. Jérôme Noble. Caroline Guéraud. Jean-Michel Mabillé, Jean Baillet, Élise Flamand a donné pouvoir à Jean Baillet, Pierre Latour, Isabelle Casalis, Julien Fichot, Laurence Gutiérrez, Gilles Pénoche, Vanessa Moller, Philippe Pourteau, Isabelle Aspeitia, Jean-Marc Lespade, Alain Perret, Isabelle Nogaro, présent. Nicolas Domé, présent. Isabelle Dufault, présente, Marc Mabillé, présent. Anne Dupré, présent. Francis Dubert, présent. Elisabeth Mounier, présent. Christian Gonzalez a donné pouvoir à Jean-Marc Lespade, Marie Saint-Aubin, présent. Aurélie Orduna, présent. Emmanuel Sobiette, présent. Antoine Robles, présent. Et Bernard Bertrand Lataillade. Parfait. Donc, le quorum est largement atteint à ce stade. Je vais demander à mon voisin de gauche, Julien Fichot, de bien vouloir procéder au secrétariat de séance, comme d'habitude. Merci, Julien. Alors, donc, on va démarrer par l'approbation du conseil communautaire du 18 mai dernier. Il y avait donc 29 présents, il y avait 4 pouvoirs et le secrétaire donc de séance était Julien Fichot. Nous avions eu une présentation de la démarche participative suite aux assises du Seignanx et en préfiguration du projet de territoire en début de séance. Il y avait eu le procès-verbal adopté de la séance précédente à l'unanimité. Un certain nombre de décisions avaient été prises, donc l'information avait été faite. Sur l'espace numérique solidaire, la modification de la politique tarifaire avait été acceptée à l'unanimité. Le fonds local d'aide aux jeunes en difficulté du Seignanx, la contribution 2022 et la convention avaient été adoptées à l'unanimité. Sur les votes des taux d'imposition, donc on avait dû retirer la délibération précédente et donc il y avait eu 23 pour et 10 contre. Sur la convention pour l'aménagement des renforts des services départementaux de la gendarmerie nationale durant la période estivale adoptée à l'unanimité. L'avenant à la convention entre la région Nouvelle-Aquitaine relative à la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et aux aides aux entreprises adoptées avec 32 pour et 1 contre. La désignation du PETR pour répondre à l'appel à candidature pour la gestion des fonds européens adoptée avec 32 pour et 1 abstention. La mise en place d'une gestion conservatoire de la tourbière de Passebène à Saint-Laurent-de-Gosse avec la convention de partenariat avec le CPIE adoptée à l'unanimité. Le partenariat financier avec l'institution Adour dans le cadre du dispositif expérimental MIRAPI adopté à l'unanimité. Le plan de gestion de la tourbière de Passebène à Saint-Laurent-de-Gosse avec l'acquisition de parcelles
à la société Picotti adoptée à l'unanimité, l'adhésion de la communauté de communes du Seignanx à l'association Solialand pour l'année 2022 adoptée à l'unanimité des présents. Monsieur Fichot ne prenait pas part au vote. Sur le plan local de l'habitat du Seignanx 2020-2025, le bilan annuel 2021 avait été adopté à l'unanimité. Monsieur Lespade et Monsieur Latour ne prenaient... Non, je me trompe de page, avait été adopté à l'unanimité, pardon. L'adhésion de la communauté de communes à la DIL des Landes pour l'année 2022, adoptée à l'unanimité des présents, Monsieur Latour et Monsieur Lespade ne prenant pas part au vote. L'aménagement du chemin Grandjean à Saint-Martin de Seignanx pour la convention de répartition du financement des travaux, unanimité pour le vote. L'adoption du règlement sur le concours de photos de cette année, adopté à l'unanimité. Le mandat spécial pour le déplacement des élus dans le cadre de l'organisation du Festival of d'Avignon, adopté à l'unanimité. L'attribution de subventions aux associations Cœur & Co et Esquirotte, adopté à l'unanimité. L'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Esquirotte pour la PASSEM, adoptée à l'unanimité. L'attribution de subvention à la locomotive pour 2022, adoptée à l'unanimité. La création d'un comité social territorial commun pour la communauté de communes Ulcias, puisque notre effectif est supérieur à 50 agents. 31 pour, 2 abstentions. La composition et modalités d'organisation du comité social territorial entre la communauté de communes et le CIAS, adopté avec 32 pour et une abstention. La création et suppression d'emplois, adoptée à l'unanimité. La modification du tableau des effectifs et l'organigramme, adoptée à l'unanimité. Et on a fini nos travaux à 21h. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Alors, un certain nombre de décisions, comme chaque fois, ont été donc communiquées aux membres du Conseil communautaire. Donc, 6 subventions dans le cadre de l'OPA pour des habilitations, des réhabilitations. 12 dans le cadre du PCAET pour des récupérateurs d'eau. Une modification de régie d'avance et enfin 3 décisions concernant des marchés ou accords cadres. Tout ça est habituel. Donc, on arrive maintenant au point premier de notre ordre du jour. Et j'ouvre donc une séance qui est un peu particulière ce soir. Vous devez l'entendre comme moi, puisqu'on a à se prononcer sur le projet d'équipement aquatique intercommunal du Seignanx, un équipement attendu de longue date par les habitants. Alors, bien que l'emplacement fasse débat, je suis fière aujourd'hui du travail mené jusqu'à aujourd'hui. Depuis 12 mois, un processus inclusif et participatif a été mis en place. Les 8 communes du territoire ont été associées et chacun a pris sa part dans les groupes de travail. Donc, je vous en remercie. Dès ce début de travail, j'ai souhaité que nous reprenions les conclusions des réflexions qui avaient été menées par la précédente mandature. Nous nous sommes appuyés sur les analyses pour poursuivre le travail. Collectivement, nous avons défini des objectifs, des orientations pour ce futur équipement aquatique intercommunal. Un équipement qui réponde à nos obligations pour permettre à tous l'apprentissage des scolaires en priorité et un équipement qu'on souhaite réaliste, finançable, fonctionnel, accessible et durable, sur un foncier maîtrisé, constructible, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux. Tout ce travail a repris le 7 juillet dernier, un an après, quasiment jour pour jour, nous voici donc réunis pour délibérer. Les membres du groupe de travail ont suivi les évolutions et les conclusions des études sur les différents sites qui ont été donc retenus. Les équipes de la communauté de communes ont mené un travail rigoureux, sérieux. Elles se sont entourées de cabinets d'études spécialisés dès lors que cela a été nécessaire, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer de résultats objectifs sur chacun des 3 sites. De surcroît, tous les élus du territoire ont pu avoir accès à tous les documents dès lors que cela a été demandé, élus d'opposition compris. Suite à nos travaux, notre séminaire d'études, nos réunions de présentation, notre projet a été enrichi, a été amendé.
Un toboggan a finalement été ajouté. Un espace prévu afin de pouvoir accueillir à l'avenir un espace bien neutre a été intégré. Nous nous sommes assurés, avec 5 lignes d'eau, de la possibilité de compétition locale. L'accessibilité des scolaires avec la recherche de prise en charge par la communauté de communes est également en recherche. Fort de tous ces échanges et des conclusions de toutes ces études, je mettrai donc ce soir aux voix le lieu et le contenu de cet équipement. Donc, à ce stade, je vais vous présenter le projet de délibération pour qu'il soit bien clair pour tout le monde. Madame la Présidente rappelle que le territoire du Seignanx est dépourvu d'équipement aquatique, alors même que l'enseignement de l'apprentissage de la natation est une obligation faite aux 3500 scolaires du territoire. De plus, la proximité de l'océan, si elle présente un atout pour les activités de baignade, reste un facteur de risque élevé avec les courants, les vagues et les baïnes. Devant cette situation, la communauté de communes a conduit, dès 2018, des études d'opportunité, puis de faisabilité. Et depuis juillet 2021, des études de programmation avec l'appui d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, en ayant comme objectif ambitieux de réaliser cet équipement pour la fin du présent mandat. Pour autant, ces études ont montré que les créneaux utilisés par les enfants ne représentent qu'une très faible partie de l'ensemble des heures d'ouverture. C'est pourquoi les élus ont souhaité concevoir un équipement également attractif pour la population, tout en posant les principes de fonctionnalité, de prise en compte des enjeux environnementaux, de sobriété foncière et énergétique et de supportabilité financière, tant sur le plan de l'investissement que du fonctionnement. La démarche engagée depuis juillet 2021 a permis de tenir des comités de pilotage associant toutes les communes du territoire. Ils se sont déroulés les 7 juillet 2021, 8 septembre 2021, 31 janvier 2022, 7 mars 2022 et 22 avril 2022. Une visite de 3 équipements sur Arcachon, Saint-Loubès et Mimizan le 18 novembre 2021 a également permis de faire évoluer le projet. Par délibération de juin 2019, le Conseil communautaire a procédé à la modification de l'intérêt communautaire, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et équipement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire, afin d'étudier, créer et gérer un équipement aquatique d'intérêt communautaire localisé sur la commune de Tarnos. Sur la base de critères partagés, la maîtrise foncière, la constructibilité et l'accessibilité, 3 sites ont été identifiés sur la commune de Tarnos pour accueillir cet équipement et ils ont été analysés au regard de plusieurs contraintes. Les enjeux environnementaux ont été confiés au CPE situé à Saint-Martin-Seignanx, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. L'analyse des sols a été confiée au bureau d'études ECR, agence de Bayonne. Les raccordements au réseau ont été étudiés par les concessionnaires concernés, SIDEC et Enedis. Et les implantations possibles sur les parcelles ont été travaillées par le cabinet Noga, notre assistant à maîtrise d'ouvrage. Enfin, des échanges avec l'inspecteur de l'éducation nationale ont permis de mieux préciser les attendus en matière d'obligations scolaires et d'organisation possible des séances. Les contraintes d'urbanisme ont quant à elles été précisées, notamment vis-à-vis des dispositions de la loi Littoral avec les services de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. L'ensemble de ces éléments, complétés par les services de la communauté de communes, a fait l'objet de présentations aux conseils municipaux des 8 communes, le 28 avril 2022 à Saint-Martin-de-Seignanx, le 5 mai 2022 à Hondres, le 9 mai 2022 à Biarrotte, regroupant les conseils de Biarrotte, de Biodos et de Saint-Laurent-de-Gosse, le 12 mai 2022 à Tarnos, et le 16 mai 2022 à Saint-André-de-Seignanx, regroupant les conseils de Saint-André-de-Seignanx et Saint-Barthélemy.
et lors d'une réunion publique d'information le 28 juin 2022 à Andres. C'est bien l'ensemble de ces données, analyses, échanges, qui a permis d'aboutir à un projet correspondant aux besoins à satisfaire et à un lieu permettant de répondre au mieux aux contraintes. Enfin, Madame la Présidente souhaite qu'au titre de l'équité entre les écoles, la communauté de communes puisse, à terme, prendre en charge les frais de transport, ce qui supposera une évolution de l'intérêt communautaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts de la communauté de communes du Seignanx, c'est plus particulièrement la compétence, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. Vu la délibération numéro 2019-06-02 concernant l'intérêt communautaire qui stipule que la communauté de communes a acquis la compétence pour étudier, créer, étendre, aménager, entretenir et promouvoir un équipement aquatique d'intérêt communautaire localisé sur la commune de Tarnos. Vu les études d'opportunité de 2018 et de faisabilité de 2019, vu les études conduites depuis juillet 2021 et le déroulement des comités de pilotage du 7 juillet 2021, 8 septembre 2021, 31 janvier 2022, 7 mars 2022, 22 avril 2022 et la visite de site du 18 novembre 2021, vu les réunions de présentation aux conseils municipaux en date du 28 avril à Saint-Martin-de-Seignanx, du 5 mai à Andres, du 9 mai à Biarrotte, regroupant les communes de Biarrotte, Biodos et Saint-Laurent-de-Gosse, du 12 mai à Tarnos et du 16 mai à Saint-André-de-Seignanx, regroupant Saint-André-de-Seignanx et Saint-Barthélemy, vu la réunion publique d'information du 28 juin 2022 à Andres, vu l'étude environnementale du CPE en date du 29 octobre 2021 concernant l'analyse des enjeux environnementaux des sites pressentis, vu l'étude de sol réalisée par le cabinet ECR sur les sites pressentis qui a permis de préciser les caractéristiques mécaniques des sols et les hauteurs de nappe, vu le retour de la DDTM en date des 21 et 23 juin concernant l'application des dispositions de la loi littorale sur la commune de Tarnos, considérant la nécessité de construire un équipement aquatique répondant aux besoins du territoire du Seignanx, conformément aux compétences de la communauté de communes et à l'intérêt communautaire, considérant que cet équipement doit répondre aux objectifs clairs et affirmés suivants, priorité donnée à l'apprentissage de la natation pour les scolaires dans le cadre fixé par l'éducation nationale, conception d'un équipement réaliste, fonctionnel, accessible et durable, localisation sur un foncier maîtrisé, public, constructible et accessible, équipement finançable tant en investissement qu'en fonctionnement, prenant en compte les enjeux environnementaux, réalisation effective dans le mandat. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de retenir le principe suivant pour le pré-programme, lequel peut évoluer à la marge pour le futur équipement aquatique, à savoir un bassin sportif de 25 mètres et 5 couloirs, un bassin d'apprentissage, des tentes de 160 mètres carrés, une pataugeoire de 40 mètres carrés, un toboggan de 60 mètres linéaires, des aménagements extérieurs type solarium, jeux d'eau, espace vert, un parc de stationnement de 60 places, un stationnement de bus, la possibilité d'une extension pour créer un espace bien-être raisonné, décide de retenir la localisation sur la commune de Tarnos, sur le site Loustonneau, parcelle cadastrée AD1609 d'une superficie de 6 500 m², décide de retenir un mode de construction en maîtrise d'ouvrage public par la communauté de communes du Seignanx, couplé avec un mode de gestion à définir entre une gestion confiée à un délégataire ou à une régie. Décide la mise en place de 4 groupes thématiques: communauté éducative, offre de loisirs détente, mode de gestion tarification et caractéristiques techniques, et plus s'il en était besoin, afin d'enrichir le projet. Charge Madame la Présidente de solliciter le maximum de subventions possibles concernant ce projet. Autorise Madame la Présidente à entretenir toutes les démarches et signer tous les documents afférents à ce dossier.
charge Madame la Présidente de l'exécution de la présente délibération et bien sûr prend acte que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.télérecours.fr par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. Voilà, mesdames et messieurs, donc la présentation de la délibération. On va maintenant donc participer à une prise de parole. Donc je vous demanderai dans les prises de parole d'essayer d'être bien sûr le plus synthétique possible et surtout de prendre la parole pour expliquer le vote que vous allez donc prendre suite à la présentation de cette délibération et les différentes prises de parole. Alors, donc qui... Alors attendez, parce que du coup je vais prendre moi aussi. Toc. Vous allez m'aider à côté. Vous allez laisser la main levée. Je vais aller à droite, à gauche. Hop, ici. Ici. Je ne sais pas, je prends dans l'ordre. Maintenant, je vais repartir là-bas. Après, je vois ici. Oui, oui, j'ai noté. Après, voilà, je crois que j'ai... Hop, ici. On est bon, là. On va essayer de démarrer comme ça. On reviendra. Alors, donc, Marc Mabillier. Alors, on va faire circuler. Donc, vous prenez donc les micros. Je ne sais pas si j'ai besoin de rappeler qu'on s'écoute, qu'on essaie de rester neutre dans les prises de parole et qu'on essaie de rester donc à l'écoute et respectueux, bien sûr. Mais ça me semble être un basique. Je pense qu'on respecte dans cette enceinte. Marc Mabillier. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, nous en convenons tous, le moment est historique. Un demi-siècle après le lancement par l'État du plan « Tous les enfants devront savoir nager d'ici 1978 », avec la promesse de bâtir plus de 1000 équipements aquatiques sur le territoire, 170 auront finalement été réalisés par l'État, notamment les piscines tournesol. Aujourd'hui, enfin, nous, élus locaux, nous substituons donc une fois de plus à la défaillance de l'État, allons par notre vote permettre ou non aux enfants du Seignanx, mais aussi aux adultes, de maîtriser enfin la pratique de la natation. Car il s'agit bien, avant tout, de cela ce soir. Depuis plus de 3 ans, la première réunion de réflexion s'étant déroulée le 2 avril 2019, la communauté de communes travaille à la réalisation d'un équipement aquatique sur son territoire. Alors, quand plusieurs ex-vice-présidents de la communauté de communes et l'un, non des moindres, le député de la circonscription déclare à grand renfort de communiquer que cette décision est précipitée, on ne peut que s'interroger sur leur réelle motivation. Veulent-ils vraiment un équipement aquatique sur le territoire, fonctionnel d'ici 2025-2026 ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Alors qu'un vent nouveau souffle sur la communauté de communes, avec une nouvelle gouvernance, de nouvelles ambitions comme les assises de Seignanx pour aller au plus proche de nos populations, un bel élan de solidarité et de résilience qu'a constitué la création d'un centre de vaccination anti-Covid. Tenter de fracturer le territoire en opposant habitants de l'Est à ceux de l'Ouest, comme ils le font, est non seulement attristant, mais foncièrement dangereux. Nous sommes un certain nombre, je pense plus particulièrement à nos collègues de Saint-Martin-de-Seignanx et d'Ondres, à être en responsabilité pour la première fois. Je sais que les jeunes élus dont je fais partie ne me contrediront pas. Notre engagement si passionnant au service de nos concitoyens, nous ne l'imaginions pas si complexe avant d'être élus. Oui, si complexe, parce que contrairement à nombre de nos prédécesseurs, il nous faut être beaucoup plus visionnaires aujourd'hui, être en capacité de beaucoup plus anticiper l'avenir. Et ce, pour une simple raison. Nous sommes, en tant que décideurs,
confrontés à une problématique qui n'était que rarement abordée et donc peu traitée jusqu'alors dans les politiques publiques. Je veux parler du dérèglement climatique enclenché. Nous savons tous dorénavant que les simples prémices que nous commençons à percevoir ne sont rien par rapport à ce qui nous attend. Il nous faut donc agir avec détermination, avoir le courage politique qui peut contrarier, qui peut susciter une forme de mécontentement, de la frustration, voire de la colère dans l'instant immédiat. Dernièrement encore, le 29 juin dernier, le Haut Conseil pour le climat appelle à un sursaut dans la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport annuel, qui est devenu une référence pour analyser la politique gouvernementale et celle des collectivités, fait un constat des plus inquiétants. Nos émissions de gaz à effet de serre ne se sont réduites que de 1,9% par an de 2019 à 2021, alors que nous avons vécu les effets de la pandémie sur notre activité. L'Union européenne a pourtant fixé un objectif de recul de 50% de nos émissions d'ici 2030. 8 ans pour les réduire de moitié. Entendez-vous, 8 ans. Pour tenir ces objectifs et ainsi contenir la hausse des températures à un niveau encore acceptable, impose une accélération sans précédent de la réduction de nos émissions, indique le rapport. Au premier chef de nos impacts carbone se trouvent les transports, avec 30% des émissions nationales. Oui, effectivement, il nous faut être beaucoup plus sobre, faire en sorte que les déplacements individuels du plus grand nombre se réduisent. Et pour cela, il nous faudra notamment contenir l'étalement périurbain, en restreignant l'artificialisation des sols. Ainsi, il faut le rappeler, l'équivalent de la taille d'un département français disparaît tous les 7 ans en étant artificialisé. Rendez-vous compte, un département tous les 7 ans. Il nous faut donc, à contrario, continuer à densifier les centres urbains, reconstruire la ville sur la ville, apporter des services là où les distances de déplacement du plus grand nombre seront les plus faibles, c'est-à-dire dans les centres-villes et les centres-bourgs. Réduire d'au moins 50% notre consommation d'espace, confirmée par la loi climat et résilience, et notamment l'amendement COS, sont un des fils conducteurs pour notre ambitieux PLUI, en cours de rédaction sous l'impulsion de notre vice-président Julien Fichot. Notre PLUI se veut celui d'un territoire qui doit fondamentalement accélérer sa transition écologique. Le dimensionnement et le lieu d'implantation de l'équipement aquatique qui sont proposés en notre approbation ce soir s'inscrit pleinement dans cette volonté politique forte, responsable et courageuse. Ainsi, le site proposé, c'est plus de 3000 logements, près de 7000 habitants du Seignan, 8000 d'ici 2028, qui se situent dans son environnement très proche, à savoir moins d'un kilomètre. C'est 46,5% des habitants du Seignan à moins de 3 km, 65% des habitants du Seignan à moins de 5 km, 700 écoliers de 6 écoles qui pourront y venir à pied. C'est un site accessible par transport en commun, desservi par plusieurs lignes jusqu'à Ondres par le trambus. Il faut d'ailleurs également rappeler que des études de faisabilité pour le prolongement de cette ligne de trambus jusqu'à Ondres vont prochainement être lancées, faisant montre d'une anticipation pour des besoins en croissance pour nos populations. C'est un site desservi par deux pistes cyclables, reliées à d'autres pistes transversales ou en cours de lettres, comme celle en chantier en direction du Batarnos et demain jusqu'à Ondres et Saint-Martin-de-Seignan. C'est un site qui disposera de 60 places de parking pour les véhicules des particuliers, soit si toutes les places étaient occupées, 100 personnes qui nageraient au même moment, en plus de celles qui s'y rendront par des modes alternatifs à la voiture, soit disons 150. D'expérience, je n'ai jamais rencontré de situation au cours desquelles nous étions plus de 150 nageurs au même moment dans un équipement aquatique public. Ce n'est pas un center park que la communauté de communes veut bâtir. Donc, chers collègues, s'il vous plaît, ne tenons pas des propos irrationnels sur cette question du stationnement. D'autant plus que, si cela peut vous rassurer, 3 autres parkings se trouvent non loin dans le centre-ville. Marcher 100 ou même 500 mètres n'est pas insurmontable. Cela ne peut faire que du bien pour la santé. N'allez-vous donc jamais dans le centre de Bayonne parce qu'il vous faut marcher ou pour vous promener ? Le Seignanx, nous le savons, est globalement structuré autour de 2 axes. L'un à l'ouest, autour de la RD810, avec 65% de ses habitants. L'autre à l'est, autour de la RD817, avec 35% de ses habitants. Mais cela n'empêche pas, et c'est fort heureux, les habitants de l'est de venir nombreux à Tarnos. 460 habitants d'entre eux sont inscrits à la médiathèque municipale de Tarnos et la fréquentent régulièrement. Beaucoup viennent à l'hôtel de ville de Tarnos pour faire établir ou renouveler leur carte d'identité ou leur passeport. Nombreux encore participent à des spectacles culturels et autres fêtes, se promènent ou se reposent sur ces plages.
et quotidiennement, ils sont plusieurs centaines à venir y travailler. Quant à la question du temps des trajets scolaires, les réponses qui ont maintes fois été apportées par Madame la Présidente et Monsieur l'inspecteur des circonscriptions lèvent toute inquiétude. Nous le savons par expérience sur Tarnos, car nous avons eu en la matière des écoliers qui devaient fréquenter des piscines sur les départements voisins, et ce, avec des temps de trajet plus longs que celui qui a été calculé par celui du village le plus éloigné vers le centre-ville de Tarnos. Donc oui, nous sommes très confiants. Tous les habitants du Signan, qu'ils soient enfants ou adultes, sauront profiter de l'équipement aquatique communautaire à Tarnos. Pour terminer, je crois comme Albert Camus, cet homme de raison en étant troublé, que pour être généreux avec l'avenir, il faut tout donner au présent. Ce soir, c'est la mission de notre génération, peut-être la dernière qui peut encore agir. Je me tourne une fois de plus vers les plus jeunes élus en responsabilité. Soyons tous conscients du choix crucial de ce soir. Pour ce qui nous concerne, nous faisons le choix de la sobriété, de la transition écologique et de l'intérêt général pour aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Alors, Monsieur Bertrand Lataillade. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lissalde. Je ne sais pas si vous avez un sonomètre, mais vous pouvez noter que l'ambiance est populaire et plutôt insoumise, ça me plaît. Madame la Présidente, autant au sujet du Seignan qu'au sujet de la piscine communautaire, nous étions d'accord sur tout, absolument tout. Au sujet de la piscine, quand en 2019 vous déclariez, attention, vous jugiez déraisonnable un équipement à 12 ou 13 millions, vous fixiez en priorité que la piscine serve aux scolaires du Seignan. Vous exigiez de consulter la population du Seignan et, je vous cite toujours, la communauté de communes du Seignan n'ayant pas toujours les pieds sur terre. À ce moment-là, nous étions d'accord sur tout. Relisez les déclarations de mon prédécesseur Bernard Lapébi à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous nous présentez exactement le contraire. Soyons sérieux, vous nous présentez un projet qui coûtera plus de 15 millions d'euros avec 82% de créneaux pour les non-scolaires. Notre groupe ne comprend pas comment vous pouvez faire le contraire de ce que vous proposiez. Quel est le but ? Démontrer que la communauté de communes du Seignan n'a pas les pieds sur terre ? Discréditer la parole des élus ? Générer encore plus de défiance envers les citoyens ? Et l'exigence de consultation, je vais en dire quelques mots. Il y a différentes façons de consulter, voici comment nous avons fait. D'abord, nous avons écouté les habitants du Seignan en avril, lors de la seule élection populaire où la participation dépasse encore 50%, l'élection présidentielle. Et ils ont été très clairs. À Saint-André, à Biodos, à Saint-Barthélemy et à Biarrot, ils ont mis Marine Le Pen et Jean Lassalle en tête. Nous écoutons et nous entendons le sentiment d'abandon du monde rural et le rejet des politiciens professionnels. Malgré la récente maison de santé, Marine Le Pen est arrivée largement en tête à Saint-André. Ensuite, nous avons écouté les maires des communes de l'intérieur. Et eux aussi ont été très clairs. Les élus des 6 communes nous le disent tous. Notre bassin de vie, il est le long de la 117. Mettez-nous la piscine à Tarnos sur notre bassin de vie. Enfin, nous avons écouté lors de la réunion publique. Certes, il y avait des communistes, il y avait des macronistes qui ont parlé, mais il y a aussi des citoyens qui ont réussi à s'exprimer. La guéguerre des élus, eux, ils s'en moquent. Ils veulent juste une piscine. Il y avait des mamans, il y avait des nageurs, il y avait des usagers des piscines de Bayonne-Nord et de Saint-Jour. Parmi ceux-là, pas un seul n'a défendu le centre-ville de Tarnos. Le deuxième point sur lequel nous étions d'accord était notre vision politique pour le Seignan. Depuis 2 ans, vous plaidez pour un Seignan apaisé. Il y a une raison. Notre groupe s'appelle Tarnos Seignan, notre avenir en commun. Il y a une raison. Je pense que nous étions sur la même ligne politique. Nous voulions en finir avec la guéguerre L'Espa de Guillotot qui a pourri le fonctionnement du Seignan pendant des années. Monsieur Lissalde, vous pouvez noter, a pourri le fonctionnement du Seignan. Tout le monde voulait en finir, et aujourd'hui, en soutenant obstinément la piscine dans le centre-ville de Tarnos, vous nous remettez la tête dans ce tas de boue, et pour longtemps. Et je note qu'Éric Guillotot n'est pas là. C'était le vote du mandat, ce soir, et vous aviez l'occasion d'être, aux yeux de tout le monde, la présidente de la communauté de communes du Seignan. Malheureusement, vous montrez à toutes et à tous que vous n'êtes qu'une déléguée Playmobil du maire de Tarnos. Je ne sais pas comment on dit à la NUPS, mais à la France Insoumise, on dit Playmobil.
peut noter M. Elissalde, j'appellerai François Ruffin à la barre. Et grâce à vos choix, ce soir, Marine Le Pen peut raisonnablement viser d'être en tête aussi à Saint-Laurent et à Saint-Martin lors des prochaines présidentielles. Ou peut-être Jean Lassalle. Je conclus. Ce soir, vous démontrez qui était responsable de la guéguerre qui a bloqué la communauté de communes pendant des années. Un groupe de 3 personnes qui a tout bloqué pendant des années et qui maintenant écrase les autres. Et j'espère que celles et ceux qui lèvent la main sans rien dire en éprouveront quelque honte. Mais de grâce, ne venez plus nous faire de leçons de solidarité, Madame l'adjointe au maire de Tarnos, à l'intercommunalité. Alors, Maryse Saint-Aubin. C'est bon. Moi, je voudrais juste revenir aux fondamentaux. À l'origine du projet, il y a la nécessité de l'apprentissage du savoir nager en sécurité, qui doit se poursuivre sur l'ensemble du cursus scolaire jusqu'à la sixième. On sait qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout respecté dans aucune de nos communes. Sur les 20 écoles du Seignans, 9 sont à Tarnos, et sur ces 9, 6 n'auront pas besoin de transport pour les y conduire. Auquel il faut ajouter, bien sûr, le centre de loisirs qui sera tout proche de cette nouvelle piscine. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas ne pas se préoccuper d'environnement. Présidente, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, je tiens en préambule à affirmer qu'Élise Flamand et moi-même, Jean Baillet, représentant la commune de Saint-André-de-Seignan au conseil communautaire, sommes favorables à la construction d'un équipement aquatique à Tarnos au bénéfice de tous les habitants du Seignan. J'aurais par ailleurs souhaité que les 33 élus du conseil communautaire eussent à témoigner de leur volonté de porter la construction d'un équipement aquatique et fussent autorisés à choisir entre les 3 sites retenus, car tous, à certaines conditions techniques et financières, sont susceptibles de répondre aux critères de choix. Madame la Présidente, après la mise en œuvre en 2018 d'un comité de pilotage chargé de réfléchir à l'opportunité d'une part et à la faisabilité ensuite d'un équipement aquatique dans le Seignan, le bureau communautaire a été chargé en 2021 de reprendre le travail entrepris qui avait confirmé la nécessité de réaliser et de gérer un équipement aquatique pour les 8 communes de notre territoire. J'étais à ce moment-là, en 2018, puis en 2021, tout à fait convaincu de la nécessité de construire un équipement aquatique. Je le suis tout autant aujourd'hui, en 2022. Les élus du bureau communautaire avons donc partagé de nombreuses réunions, vous l'avez dit. Nous avons échangé sur ce que nous imaginions les uns et les autres des besoins de nos populations, sans pour autant avoir totalement la certitude que nos visions rejoignaient bien celles de nos concitoyens. Nous avons exprimé nos convergences. Un bassin de 5 couloirs pour l'apprentissage de la natation prioritaire pour les scolaires, une pataugeoire, un bassin de détente et de loisirs, et un peu plus tard, après l'intervention technique et financière de M. Courtois du cabinet Noga, retenu par la présidente pour servir d'appui technique aux élus et pour témoigner de l'expérience acquise au fil des années et des projets, un toboggan. Nous avons aussi exprimé des divergences. Parallèlement, la présidente est depuis son élection l'instigatrice et l'animatrice convaincue de la mise en œuvre d'une grande ambition qui porte le nom de démocratie participative. Au travers de la mise en place des assises, elle a donné à croire par ses écrits aux citoyens du Seignan que ces derniers avaient le droit de participer à la prise de décision. Qu'est-ce que la démocratie participative ? Je vous propose 2 réponses. La démocratie participative désigne l'ensemble des démarches qui visent à associer les citoyens au processus de décision politique. Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, Université Paris 1, à la Sorbonne, à Paris. Autre, la démocratie participative est une forme d'exercice du pouvoir qui vise à faire participer les habitants du territoire aux décisions politiques. Elle a d'abord été utilisée dans les projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme, mais elle s'étend maintenant à des sujets comme l'environnement ou les projets de territoire. Ceci, c'est par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Logiquement, les assises du Seignan se sont invitées au Conseil communautaire, c'était le 24 février 2022. Revenons, je vous prie, sur les quatre piliers de ces assises, présentés alors avec enthousiasme et émotion par la présidente. Premier pilier, l'information. Je cite « Faire en sorte que tous les habitants aient le même niveau d'information sur les enjeux d'un projet de la communauté de communes du Seignan et les évolutions du territoire. » Fin de citation. Constat, l'équipement aquatique est-il un projet de la communauté ? L'information sur le projet, sur ses enjeux, sur les évolutions du territoire autour de sa réalisation est demeurée au niveau zéro jusqu'au 28 juin dernier. Deuxième pilier, la consultation. Je cite « Permettre l'expression d'un avis d'individus et ou de groupes intéressés par un projet sur un sujet. » Fin de citation. Constat, cette expression d'un avis n'a été possible que par la désobéissance des élus des cinq communes de l'intérieur à l'occasion de la présentation du projet d'équipement aquatique aux conseils municipaux sous la forme de l'invitation lancée par les cinq maires aux enseignants et aux parents d'élèves. Elle n'a de nouveau été possible qu'au travers de la réunion publique du 28 juin qui a été arrachée à une présidente réfractaire à tout partage d'idées avec ses concitoyens sur le sujet de l'équipement aquatique. Troisième pilier, la concertation. Je cite « Permettre la confrontation et l'échange d'arguments ainsi que l'explication des points de vue de chacun en vue de mettre au point un projet commun. Cette coopération issue d'un travail réfléchi doit aboutir à une proposition acceptable par le plus grand nombre. » Fin de citation. Constat, une seule réunion publique n'a pas permis la concertation indispensable avec les habitants, alors que je n'ai eu de cesse d'en réclamer et de plaider pour l'organisation d'une consultation des citoyens sur la base de l'exigence portée par délibération par les élus de Tarnos en septembre 2019. Quant à la confrontation et l'échange d'arguments entre les élus, ils ont abouti ce soir à une proposition acceptable pour seulement deux communes. Quatrième pilier, la participation à la décision, je cite, « Par un système de vote pour des propositions soulevées et d'échanges réguliers avec les élus, les habitants participent à la prise des décisions pour leur territoire, notamment en mettant en avant leurs besoins dans la co-construction du programme commun. » Fin de citation. Constat, jamais de vote, bien entendu, pour l'équipement aquatique. Un vote est proposé aujourd'hui sur le seul site 3. Et encore, permettez-moi de rappeler quelques grands principes énoncés au fil des pages du document sur les enjeux des assises du Seignan. Véritable échange avec les habitants dans le cadre d'une démarche participative de qualité. Co-construction d'un projet commun partagé. Partager un état des lieux du territoire et ensuite construire un programme commun d'action à mettre en œuvre pour le Seignan. Manque de chance, le projet d'équipement aquatique ne semble rentrer dans aucun des objectifs et des enjeux de la démocratie participative et des assises. Il ne coche ici aucune case. L'ambition et le courage politique ont manqué. La peur peut-être aussi que la logique territoriale souhaitée par une grande partie de la population puisse l'emporter sur la raison démographique. Nos concitoyens se rappelleront la manière dont ce projet, attendu par de très nombreux habitants, des 8 communes du territoire, voulu par tous les habitants et par les élus, aura été conduit et abouti sans les habitants. Madame la Présidente, sur le sujet aussi considérable de la construction, de la mise à disposition au public et de la gestion d'un équipement aquatique d'une valeur de plus de 10 millions d'euros et de 500 000 euros de subventions d'équilibre par an, devant répondre aux attentes et aux besoins de tout un territoire sur ce dossier. Pour l'information de nos concitoyens, vous avez échoué. Sur ce dossier, pour la consultation de nos concitoyens, vous avez échoué. Sur ce dossier, pour la co-construction de ce projet avec nos concitoyens, vous avez échoué. Et le vote ce mercredi 6 juillet pour le site 3 au cœur de la ville de Tarnos, très loin de l'unanimité du territoire, sera aussi votre échec. Votre échec ce soir en présence de nombreux habitants mécontents et des représentants de 6 communes en colère. Votre échec pour toute la durée de vie du centre aquatique. Votre échec demain. Parce que ce vote va à l'encontre des logiques d'esprit communautaire, de solidarité, d'intérêt général et de vision à moyen et à long terme concernant l'évolution de notre territoire. Au-delà de votre échec, Madame la Présidente, vous signerez avec ce vote l'échec du projet et l'échec de notre communauté de communes. Nous voterons contre votre délibération. Jérôme Noble. Madame
Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme peu de personnes me connaissent, je souhaitais avant toute chose m'exprimer sur l'origine de ma présence ici. Élu aux côtés d'Eva Belin à Ondres en 2020, j'étais encore un simple spectateur de la politique locale, au sens noble du terme, sans jeu de mots, quelques mois avant le scrutin. Simple citoyen, j'ai, comme beaucoup d'autres, pu être le témoin de nombreux projets lancés, réalisés ou inaboutis, par leur mauvaise priorisation ou encore par les malheureuses luttes intestines partisanes larvées en leur sein. Que ce soit à l'échelle de ma commune, comme le fameux camping du lac pour les connaisseurs, ou de la communauté de communes avec la grande brasse poulet des allées shopping. Et j'ai fait le grand plongeon dans le grand bain. Je suis aujourd'hui maire adjoint délégué au développement économique et au tourisme, porteur notamment d'un projet phare et structurant de notre commune, le plan plage. Son calendrier de mise en œuvre, après près de 40 années de tergiversation stérile et infantile, nous permet aujourd'hui d'annoncer pragmatiquement un début de travaux au dernier trimestre 2022 pour une inauguration dès juillet 2023. Action, réaction. C'est parce que nous avons été portés par les voix de nos concitoyens pour faire émerger des projets, concrétisation réelle de promesses de campagne, des véritables engagements humain, solidaire et vertueux, pour ensuite les porter par la puissance publique et les faire se réaliser. Oui, parce que les promesses, c'est bien, mais les tenir, c'est mieux, non ? Depuis le début de notre mandature, il siffle comme un vent de rumeurs de déni démocratique. C'est génial. Aussi, je vous rappelle que la démocratie s'est exprimée il y a maintenant 2 ans, presque jour pour jour, et que depuis, la nouvelle majorité n'a jamais perdu de vue le processus essentiel de participation et d'information de la population, de démocratie participative. Nous, la nouvelle majorité, sommes dans l'action de la mise en place de projets de façon pragmatique, avec un objectif précis pour des réalisations avant le terme de ce mandat. C'est pour cela que nous avons été élus. Changer les choses, faire bouger des lignes, changer la vie, quoi. Et ne pas nous crêper le chignon façon cour élémentaire, comme on a pu le voir lors de la dernière réunion publique. J'ai vraiment été choqué par l'attitude de certains d'entre vous. Le 28 juin dernier, vous qui appelez à plus de démocratie, mais qui ne paraissez même pas respecter des règles de bienveillance et de vivre ensemble essentielles. Je tiens à souligner ici qu'à chacune des prises de parole des opposants au projet du site numéro 3, un silence profond a été respecté afin de laisser chacun exprimer ses craintes ou désaccords. J'ai par là même constaté que la réciproque n'était pas valable, ce qui est quand même une bonne blague quand on parle de démocratie. Nous sommes ici ensemble pour co-construire notre territoire de demain. C'est pour cela, parce que je ne me suis pas trouvé plus intelligent que vous, mais certainement pas plus con, que je me suis engagé afin de répondre à l'intérêt du plus grand nombre de nos concitoyens. J'en ai enfin fini avec cette introduction un peu longue, ma foi. Pour revenir donc sur le sujet de l'équipement aquatique, ce projet ne sort pas du chapeau. Sa création avait même été validée sur Tarnos sous le mandat précédent. Et maintenant que le projet avance, se concrétise, peut se réaliser, certains d'entre vous souhaiteraient revenir en arrière ou le faire traîner. Querelle partisane, argumentaire, technico-financier, manœuvré des circonstances. Je ne me mouillerai pas trop en regardant du coin de l'œil certains d'entre vous pour extrapoler rapidement sur la réponse. Tout a déjà été dit. Je vous rappelle à toutes et tous l'objectif de ce projet, construire à la fois un centre d'apprentissage de la natation pour les scolaires, un lieu d'entraînement potentiel, un espace de détente et de sport de qualité pour toutes et tous. Cet équipement aquatique correspondra pleinement aux usages et aux modes de vie actuels de nos concitoyens. Mais avant tout, ce projet répondra à l'impérieuse nécessité du savoir nager en sécurité. Nous ne le savons que trop ici, sur notre territoire, que sa pratique maîtrisée sauve des vies chaque été. Comme savoir marcher, savoir évoluer dans l'eau est essentiel. C'est un gage de sécurité pour nos élèves, y compris les plus jeunes, et bien sûr pour chacun d'entre nous. Si la maîtrise de la natation reste primordiale dans notre société, l'eau rejaillit aussi par émulsion sur les registres culturels et sociaux de tous ceux qui pratiquent cette saine activité, comme vous le savez tous. Oui,
On fait tout ça, notamment pour nos 3500 élèves du territoire, répartis majoritairement dans un bassin de population recentré, Tarnosien et André. Ce sont des faits. Et pour promouvoir encore plus une véritable équité sur notre territoire, je n'oublie pas la proposition de Madame la Présidente de faire prendre en charge les frais de transport pour accéder à notre futur équipement pour toutes les classes du Seignans. Nous avons la chance de pouvoir, après différentes études, faire un véritable choix politique de vie pour nos cités. Un vieux monsieur a donné un jour, il y a très longtemps, une jolie définition de la politique. Selon lui, son rôle consiste à créer l'unité et assurer l'harmonie dans nos cités à travers notamment la vertu et l'éducation. J'ai bien aimé ce qu'il a dit, ce monsieur. On a encore un peu de chemin à faire, je crois. Mais je reste positif en pensant que nous ne sommes plus animés par de vieilles querelles que certains auraient plaisir à entretenir en faisant de l'opposition stricte et sans grande réflexion constructive. Du coup, je décide de me mouiller. En apportant mon soutien à ce projet, en apportant ma voix de conseiller communautaire élu démocratiquement pour les 28 170 habitants du Seignans. Je suis convaincu que l'emplacement de ce projet est le bon. Je suis convaincu que financièrement parlant, ce projet est adapté à la capacité financière de la communauté de communes. Je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire de le voir plus grand pour anticiper une évolution démocratique dans 25 ou 30 ans. Car pendant tout ce temps, on va tous tirer la langue à cause d'une structure inadaptée ou un emplacement décentralisé par rapport à la situation démographique d'aujourd'hui. Pour tout le reste, comme la thalasso et les espaces de détente, soi-disant indispensables, il existe des centres privés qui répondent parfaitement à tout ce que vous demandez. Des espaces extérieurs avec vue dégagée. En faire un peu, oui, mais de là à rivaliser avec des structures indépendantes et reconnues à deux pas du Seignans, personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. Ceci étant dit, je ne suis pas, contrairement à d'autres, un nouvel expert en équipement aquatique. Devenir élu ne m'a pas donné de nouvelles compétences dans ce domaine et c'est bien pour ces raisons que nous nous faisons conseiller et assister dans tous les projets d'envergure que nous lançons, comme certains d'entre vous le faisaient avant nous. Les experts croient en ce projet, les enfants du Seignans le méritent, nous leur devons de le faire. Aussi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, je voterai pour la création de ce projet au cœur du centre-ville de Tarnos, le fameux site numéro 3, le qui compte à date la plus grande densité démographique et le plus grand nombre de classes rapidement accessibles. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Pierre Latour. Voilà, ça marche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, mon propos sera bref et ma plume apaisée. Je regrette seulement que cette polémique soit alimentée par des élus et militants qui déforment la vérité. Nous sommes bien sûr à Saint-Barthélemy pour un équipement aquatique communautaire, mais pas à l'endroit prescrit, car cette localisation ne convient pas à toute la population de l'Est du Seignans, sachant de plus que nos réserves foncières nous permettent de proposer, ou tout du moins d'étudier plus sérieusement, une autre implantation. Je regrette que les gens se répandent sur les réseaux sociaux, en particulier des élus et employés communaux, qui vilipendent les habitants des petites communes avec des mots très durs, parfois haineux et moqueurs. Mots sûrement écrits en plus pendant leurs heures de travail. Des coups de règle se perdent, monsieur le maire. Je regrette que nos conseillers départementaux, élus pour le développement, la cohérence et la solidarité du territoire du Seignans, soient les instigateurs de cette situation. Ça vous promet quelques visites compliquées sur le terrain. Je regrette que cette décision prise à la hâte pour assurer un bilan électoral ne soit pas différée pour étudier sérieusement les autres sites. Je regrette car ceux qui vont voter avec le doigt sur la couture du pantalon ne connaissent pas le Seignans. Ils s'y déplacent avec le nez sur les panneaux indicateurs ou maintenant sur l'écran du GPS. Ils ne connaissent pas Saint-Barth et Saint-Barth ne fera pas d'effort pour les connaître. Voilà les dommages de la politique politicienne par rapport à une politique de territoire. J'ose espérer que certains élus auront un regain de lucidité pour voter contre cette délib. Si monsieur le maire de Tarnos veut être solidaire et vertueux, on lui laisse vendre son terrain et donner la recette à la communauté. Ça paiera au moins les réseaux.
Madame la Présidente, vous et votre garde rapprochée essayez de passer en force. Vous allez faire exploser la communauté de communes. Je vous demande donc solennellement de retirer cette délibération. Dans un autre cas, je vais sans doute gentiment me recroqueviller sur ma commune pour m'occuper de mes Barthés et autres, et surtout de ma famille. Dommage pour vous, car vous perdrez un bon vice-président. J'ai toujours combattu la politique de la chaise vide. Alain Perret. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas venu pour donner une leçon de solidarité et ni pour en recevoir une. Petit rappel à l'usage peut-être des nouveaux élus et de la population qui nous écoute. Les recettes fiscales de l'EPCI étant majoritairement issues du développement économique et de l'industrie, 75% de ces recettes sont issues du territoire tarnosien, pour rappel, tout simplement. Deuxième petit rappel, la décision d'implanter la piscine à Tarnos ne vient pas de ce mandat, mais de l'ancien mandat, où Tarnos n'était pas dans la majorité, mais plus que dans la minorité. Ça a été déjà rappelé avant moi, mais c'est bon de le redire. Les textes de l'éducation nationale prévoient que apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans le socle de connaissances et de compétences. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Rien. Nos enfants ne peuvent pas apprendre à nager. Ils ne sont pas prêts de le faire, malheureusement. Si on vous écoute, je le répète, il y a urgence de réaliser cet équipement durant ce mandat et avant la fin de ce mandat. Les études réalisées sont, enfin pour moi, une aide très très précieuse à la décision, autant par le cabinet Noga que par le CPIE notamment. Le constat pour moi ce soir est objectif. Le site de Loustonneau coche toutes les cases, notamment en matière environnementale, en matière de mobilité, en matière de coûts et de densité démographique. La fragilité sur le plan juridique, environnemental et sur le plan des règles d'urbanisme, aujourd'hui, pour les terrains 1 et 2, ferait perdre, pour moi, un temps très précieux. Donc, mes camarades, je vous appelle ce soir à être responsables et à décider ensemble de voter la délibération qui est proposée sous peine de prendre un retard important sur l'avenir. Je vous remercie. Isabelle Casalis. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames, Messieurs les élus communautaires. Dans un premier temps, je tiens à rappeler que depuis le mandat précédent, et avec beaucoup de conviction, la commune de Saint-Laurent-de-Gorce est très favorable et soutient la réalisation d'un équipement aquatique intercommunal du Seignans. Le mandat précédent, les élus de la commune de Tarnos nous indiquaient à chaque réunion notre folie d'une telle réalisation pour une communauté en faillite. Vous en faisiez partie de ces élus, Madame la Présidente, si on reprend les comptes rendus. En 2020, vous êtes élue présidente de cette communauté. Cet équipement a été inscrit sur le plan pluriannuel d'investissement du Seignans à la demande des maires de l'intérieur au cours de nos premières réunions. Des réunions d'élus de différentes communes ont été organisées. Un consensus a été trouvé sur la dimension de cet équipement. Nous devons donc investir environ 14 millions d'euros et environ 500 000 euros de fonctionnement sur la durée de vie de cet équipement. Un tel engagement et un tel investissement devraient être portés et votés à l'unanimité. Tous les citoyens de notre territoire vont y contribuer par le biais de leurs impôts et devraient pouvoir être associés à ce choix. Je pense qu'un citoyen ou un enfant du Seignans a les mêmes droits et devoirs qu'il habite à Tarnos, à Saint-Laurent-de-Gorce ou dans une autre commune du territoire, contrairement à ce qui a été dit dans certaines réunions. Saint-Laurent-de-Gorce est la commune la plus impactée par votre futur choix pour cet équipement. Madame la Présidente, vous avez rencontré de nombreuses personnes au cours des réunions publiques, et notamment les parents d'élèves et instituteurs de notre CIVU à Biarrotte. À la fin de votre exposé dirigé vers le site 3, les questions et interventions très pertinentes ont été balayées en répondant à côté ou en revenant sur le même discours de votre présentation. Mécontente de vos réponses, l'APE de Saint-Laurent vous a adressé un courrier fort intéressant le 14 juin.
et je me permets de relever donc quelques-unes de leurs précisions. Sur des tableaux qu'ils ont regardés, qui sont fournis à partir du site de l'Observatoire des territoires, il est à noter que la ville de Tarnos a une courbe qui chute vertigineusement alors que les autres communes sont en progression quant à la variation de la population de 1999 à 2018. Les évolutions démographiques de 2013 à 2018 sont les plus faibles à Tarnos avec un taux de 1,97 alors que les autres communes varient entre 2,83 pour Biodos et 14,07 à Biarrot. La répartition par tranche d'âge de la population classe la commune de Saint-Barthélemy en premier, avec dans la tranche des 0 à 14 ans, et finit par Ondre et Tarnos. Enfin, petite précision sur le temps de trajet. La PE a mené sa propre enquête avec un logiciel qui calcule les temps de trajet de manière totalement objective, car ils sont calculés par un Google Maps ou des Waze en prenant compte du trafic moyen. Pour le site 1, 17 écoles ont le temps inférieur à 15 minutes et 4 entre 15 et 30 minutes. Pour le site 3, il ne reste plus que 13 écoles à moins de 15 minutes, 7 écoles entre 15 et 30 minutes et une à plus de 30 minutes. Sur ces décomptes, il n'y a pas le temps de montée, de descente et des habillages des enfants puisque de toute façon, ils se rajoutent dans tous les cas. Au vu de toutes ces données et en référence aux données énoncées dans le travail du PLUI, on peut affirmer que le site 1 est le plus proche de tous les habitants, soit, ce qu'on nous rabâche tout le temps au PLUI, 15 minutes du domicile. Ne vaut-il pas mieux le créer à cet emplacement pour préserver notre planète que de le mettre en centre-ville? Sans compter que depuis le 4 juillet, les transports en commun passent devant. De plus, avec le site 3, vous allez créer de l'inégalité dans l'éducation scolaire de nos enfants du RPI. En effet, si nos enfants restent plus longtemps dans le bus et dans la piscine, certes, ils seront âgés, comme tous ceux des autres communes d'ailleurs, mais auront des cours d'enseignement général en moins. Je constate donc que vous restez extrêmement fermé dans votre choix de satisfaire les promesses électorales de la commune de Tarnos pour réaliser cet équipement dans le centre-ville. Je vous félicite de votre réussite et vous pourrez ainsi l'appeler le centre aquatique Isabelle Dufaux. Vous l'aurez compris, la commune de Saint-Laurent-de-Gosse, que je représente aujourd'hui, votera contre cette délibération. Caroline Camille, enfin Guéraud. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs les élus. Après la réunion publique organisée par madame la présidente au sujet de l'équipement aquatique, après ces éructations et déferlements de hargne, j'aurais pu choisir d'employer un champ lexical de dénigrement, d'agressivité, de passéisme, de boomers, de personnes ayant été chauffées à blanc par des enjeux d'aménagement du territoire qui les dépassent. Mais non. Je préfère vous parler des noyades. J'espère que vous n'aurez jamais à appeler un jeune adulte de 40 ans dont les deux parents viennent de se noyer sur la plage de Hondre. J'espère que vous ne serez jamais convoqué à la gendarmerie pour écouter une mère en pleurs parce que son enfant de 8 ans s'est noyé. Cela n'est pas un sujet sur lequel vous pourrez trouver à redire, en tout cas je l'espère. Il est difficile, humainement et émotionnellement, de contester et dénigrer des enfants morts, noyés, et des familles endeuillées. Entre le 1er juin et le 8 août 2021, Santé publique France a dénombré 1447 noyades en France, dont 700 noyades accidentelles documentées et 168 suivies de décès. Cela représente 24%. Ces données sont officielles et à retrouver sur le site de Santé publique France. Les deux catégories d'âge les plus représentées parmi les noyades accidentelles étaient les enfants âgés de moins de 6 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Les noyades suivies de décès en cours d'eau et plan d'eau ont représenté 36% du total des décès par noyade accidentelle. Les noyades accidentelles également étaient plus nombreuses dans les régions du littoral. Pour cela, Santé publique France recommande une série de pratiques et conseils en matière de prévention. Je retiendrai deux. Pour les plus petits, apprendre à nager aux enfants le plus tôt possible et les familiariser à l'aisance aquatique dès le plus jeune âge. Pour les adultes, il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre à nager. Aujourd'hui, les enfants du Seignance soit n'apprennent pas à nager,
soit apprennent dans des conditions de bassin agréées par l'éducation nationale, chaque année, dans des campings ou d'autres sites accessibles par bus, payés par les communes actuellement, donc les impôts de nos concitoyens. On parle de donner des moyens aux enfants du Seignance d'évoluer en sécurité dans l'eau. On parle d'utiliser un site accessible à pied pour une grande proportion d'enfants. On parle de limiter l'artificialisation des sols. On parle de sortir du tout voiture, n'en déplaise à ceux qui y sont cramponnés comme si leur existence en dépendait. La fin du pétrole est proche. Lisez le dernier rapport du GIEC, si ça vous intéresse, ou pas, manifestement. Vous avez tout bouffé. Pardon pour ce terme vulgaire. Lisez les travaux du Club de Rome. Lisez Jean-Marc Jancovici. Lisez Vincent Mignerot. La croissance verte n'existe pas, la sobriété doit devenir la règle. Ce n'est pas très séduisant comme discours, n'est-ce pas ? Mais c'est la réalité. Nous avons dépassé plus de 6 limites planétaires sur 9. Vous en êtes fiers ? Vous avez bien profité pendant 40, 50 ans. Vous avez construit, vous avez bâti, vous avez bétonné, vous avez artificialisé. Et après vous, le déluge ? Ah non, le point bas du Seignan, c'est Ondres. Et les pieds dans l'eau pendant 3 mois en 2021. Coïncidence ? Je ne crois pas. Un jour, un élu, on m'a dit d'enlever le mot déchu, peut-être défait, de son grand siège, a voulu m'expliquer qu'on gérait beaucoup mieux les eaux de pluie en artificialisant 17 hectares que quand cette zone en question était champ, prairies, bosquets et forêts. Maintenant, nous avons, allez, entre 800 et 900 logements, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais qu'attendre de vous, quand vous ne savez plus pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Peut-être que ça fait trop longtemps que vous l'êtes, élu. Peut-être que d'autres trouvent pertinent de faire alliance avec ceux qui étaient en face lors des élections municipales. Peut-être que c'est aussi ce que je dis. C'est aussi, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Quand on se prétend écolo et qu'on abat un chêne pluricentenaire dans son jardin juste parce qu'il gêne. Peut-être que si vous vous exprimiez en face à face lors des bureaux communautaires, j'ai eu l'opportunité de remplacer 2 fois Eva Belin seulement. Et cela m'a permis de prendre un petit peu la température de ce qui pouvait s'y dire et de vos attitudes, au lieu de ricader et de médire sous cap. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas, pardon, mais je suis libre de m'exprimer ainsi, pourquoi certains élus vous ont cédé un toboggan et un solarium en pensant apaiser les choses. Vous êtes toujours contre par principe, parce que Jean-Marc Lespade est Jean-Marc Lespade, ou Eva Belin est Eva Belin. Peut-être que vous comprendrez pourquoi je me suis abstenue lors du vote pour la couverture d'un lac avec des panneaux photovoltaïques. Le bien commun, c'est peut-être penser à autre chose qu'artificialiser les sols et une retenue d'eau existante. Peut-être que ceux qui veulent venir se garer jusqu'au bord de la plage, de la piscine, en passant avant au drive, je vous laisse choisir lequel de drive. Quand ils ont moins de 40 ans, je me dis que c'est franchement peine perdue, surtout quand on se revendique surfeur. Peut-être aussi que vous avez d'emblée décidé de nous catégoriser, nous, élus, issus de la société civile, dont c'est le premier mandat, en nous taxant de débutants, de jeunes, d'incompétents. Parfois, je sens un petit peu de sexisme aussi dans les propos. Mais bref, passons. Nos élucubrations, comme a pu l'écrire avec mépris le député local, a eu le mérite de voir se monter en moins de 2 mois un centre de vaccination qui a permis de recevoir et de vacciner dans de bonnes conditions des milliers de personnes sur le territoire du Seignance. Nous avons le mérite, nous, jeunes élus, débutants, certes, d'être libres. Mais surtout, nous sommes force de travail malgré nos vies professionnelles à côté. Nous sommes des gens de projet et pas de sujet. Vous avez choisi de faire un sujet sur la piscine communautaire. Je vous propose d'en essayer un autre, celui du respect d'autrui, de l'amour des gens. Et vous verrez, en exigeant moins, en donnant plus, la vie est plus belle. Merci. Antoine Robles. Bonsoir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, tout d'abord, en préambule, je tiens à dire que mon groupe et moi sommes pour la construction d'un équipement aquatique communautaire sur la commune de Tarnos. Lors d'une interview au journal Sud-Ouest, vous vous félicitiez de présider une communauté apaisée. Force est de constater que vous êtes dans une situation de déni. La spécificité du déni, c'est de refuser de prendre en compte une partie de la réalité à son avantage. Puisque vous semblez ne pas le voir, je me permets d'attirer votre attention sur une réalité aujourd'hui. Nous sommes bien loin de l'apaisement. Mais le déni, ce n'est pas le seul frein aux avancées du Seignance.
Il y a aussi ce totalitarisme évident dans votre fonctionnement. Ça peut choquer, mais permettez-moi de faire ici la démonstration. Le totalitarisme est un système politique dans lequel existe un parti unique qui ne laisse aucune place à toute forme d'opposition. C'est un mode de confiscation des modes de pensée et des pouvoirs. C'est restreindre l'opposition individuelle et collective. C'est exercer un contrôle absolu sur la vie publique et privée. Et voyez comme c'est troublant. En nous demandant de nous prononcer ce soir sur le seul lieu Loustonneau, vous faites fi des interventions des maires de 6 communes et des avis des habitants qui se sont exprimés le 28 juin. Au lieu de sursoir au vote et de se donner le temps de la réflexion pour étudier d'autres sites sur Tarnos, forte de votre majorité, vous voulez imposer votre choix, on appelle ça du forcing, et vous ne supportez aucune contradiction. Aujourd'hui, alors qu'il est promis depuis plus de 30 ans par différentes équipes au pouvoir, cet équipement aquatique est soudainement devenu une priorité. Alors s'il est vrai qu'au bout de 30 ans, les citoyens en ont marre d'attendre, cette précipitation est pour le moins inquiétante et nous constatons que cette situation d'urgence mène à prendre des décisions irraisonnées. Alors que vous vous attirez tous les éloges du projet, rappelons que cette urgence n'était pas en début de mandat et il a fallu l'intervention et la pression des maires des communes de l'Est pour qu'il soit inscrit au plan pluriannuel d'investissement. Pour que ce soit clair pour chacun d'entre vous, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, je le rappelle, nous sommes extrêmement favorables à ce qu'il y ait un équipement aquatique dans le Seignanx et situé à Tarnos. Et qu'il est urgent que ça se fasse. Nous sommes complètement en phase. Après 30 ans de promesses vaines, les citoyens méritent enfin que cette promesse électorale soit tenue. Mais retenons qu'un tel équipement doit s'inscrire dans une vision sur au moins 30 ans et non sur le besoin de remplir aveuglément et sans considération une promesse électorale juste pour la tenir. Vous avez organisé les assises du Seignanx. C'est vrai que les finances sont saines, mais fragiles. Assises qui ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour quel résultat ? Heureusement que grâce au centre de vaccination, plusieurs personnes ont pu donner leur avis, mais rien ou presque sur l'équipement aquatique, pourtant prioritaire. Vous avez lancé une nouvelle étude au lieu de partir de celle qui avait été réalisée 3 ans auparavant. Une étude qui, fait du hasard, conforte votre choix. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et vous stigmatisez systématiquement toute personne ou groupe qui s'oppose à votre vision de l'affaire. Ça aussi, c'est une pratique totalitariste. Vous avez organisé des copiles où aucun membre des oppositions n'a été convié. Curieuse idée de la démocratie que vous vantez de pratiquer. Mais les faits sont là, et au-delà de mots. Sur un équipement si important, vous refusez de consulter les habitants du Seignanx qui vont le payer par leurs impôts. Pardon, je rectifie, vous interrogez des citoyens triés sur le volet, ceux qui vont dans votre sens en prenant le soin de censurer tous les autres. C'est bien simple, toutes les personnes qui témoignent leur soutien sont des partisans du Parti communiste local, vous le savez, le Seignanx n'est pas bien grand et on connaît beaucoup de gens, on les reconnaît dans la presse ou dans vos publications. Votre communication est clairement orientée et la parole n'est accordée qu'à ceux qui vous soutiennent et vous refusez toute contrariété. Pire, vous censurez les citoyens qui mettent en péril votre projet. Nombreux sont les internautes qui nous ont fait part que leurs commentaires ont été supprimés des réseaux sociaux, en particulier de la page officielle de la ville de Tarnos. Quelle honte de procéder de la sorte en 2022. Vous détournez et sortez du contexte des informations. Pire, nous avons constaté que vous mentiez au public en faveur de votre projet. En réponse, il n'y a pas assez de places de parking, parce que c'est une réalité. La plus grande crainte, non seulement des riverains, mais aussi des autres citoyens et futurs usagers de l'équipement, vous avez répondu qu'il y avait un parking couvert à 150 mètres de là. Faux. Si vous pensiez au seul parking couvert du centre-ville, celui de la médiathèque, pardon, il est à 700 mètres, Madame la Présidente. Réponse à un courrier de l'une des habitantes du quartier Loustonneau, inquiète de ne plus pouvoir se garer au bas de sa résidence, on lui a répondu « Vous avez 2 véhicules, vous n'avez qu'à en vendre un. » Vous n'avez qu'à en vendre un. C'est ça la réponse. Des exemples comme ceci, nous en avons des dizaines, Madame la Présidente. Et tous sont disposés à faire entendre leur voix fermement, et nous en sommes aussi le relais. Avec les autres maires du Seignanx, nous sommes attentifs et écoutons réellement tous les citoyens, même ceux qui ne partagent pas nos idées et nos valeurs, parce qu'ils sont avant tout des citoyens de la communauté de communes, quelle que soit leur sensibilité. C'est ça la démocratie, Madame la Présidente. S'ouvrir à tous les citoyens, même si cela ne vous sied pas. Diriger une communauté de communes, c'est être à l'écoute et au service de tous les citoyens. Faute de quoi, nous avons affaire à du clientélisme, à du totalitarisme. Et puis, on se souvient, dans une autre vie sans doute, celle qui souffre probablement du déni dont vous faites preuve aujourd'hui, vous, Madame la Présidente,
présidente, avait voté avec tous les membres du conseil municipal de Tarnos une délibération en septembre 2019 qui, je cite, porte l'exigence que toutes les personnes inscrites sur les listes électorales des 8 communes du ressort de la communauté de communes du Seignans puissent donner leur avis sur le dimensionnement de l'équipement et son lieu d'implantation à Tarnos par l'organisation de consultations. La présidente d'aujourd'hui renie l'adjointe d'hier, sauf qu'aujourd'hui ce n'est pas en présidente du Seignans que vous agissez, mais en adjointe au maire de Tarnos. Vous le savez et nous le savons tous. En proposant ces délibérations, vous montrez votre mépris et vous radicalisez les positions. Pire, vous excluez les citoyens et vous leur clouez le bec. Ne sous-estimez pas l'intelligence des électeurs, ils voient clair dans votre jeu et nous aussi. D'autres lieux sur Tarnos peuvent être étudiés. Même le site numéro 1 peut faire l'objet d'une étude plus approfondie. On peut se laisser des temps sans que cela devienne des années, sans que vous nous accusiez de retenir le projet. Car je rappelle, nous sommes favorables au projet. Mais non, vous êtes animé par un impératif électoraliste. Une inauguration en décembre 2025, soit 3 mois avant les élections, avant le renouvellement des conseils municipaux, et ainsi vous enorgueillir d'avoir fait l'équipement aquatique au centre de Tarnos. Nous savons tous qu'un calendrier électoral, ça se prépare. C'est une belle ligne à inscrire sur un bilan. Surtout communiquer le projet comme étant tarnosien. C'est d'ailleurs ce que vous faites avec tous les projets, récupérer n'importe quel succès à votre avantage, même s'ils ne sont pas du ressort de la ville. Quand on fait de la politique, on doit se mettre au service des personnes, de tous, sans exception, et non à celui d'une minorité ou de ses propres intérêts. Il est clair qu'aujourd'hui, vous êtes en service commandé. Le maire de Tarnos voulait sa piscine municipale, quoi qu'il en coûte, et doit se faire au centre-ville de Tarnos, de gré ou de force. Oui, nous aussi, nous avons hâte d'avoir une piscine. Oui, nous aussi, nous aimerions voir nos enfants et leurs enfants apprendre à nager ou s'amuser dans cet équipement moderne. Oui, nous aussi, nous réjouissons à l'idée de réaliser un projet en bonne entente avec toutes les communes du Seignans. Mais nous sommes aussi convaincus qu'il est possible, sans que cela ne prenne des années. C'est une priorité, nous n'en doutons pas, et il est possible de le faire dans les semaines qui viennent. Il est possible également de trouver des emplacements favorables qui s'inscrivent dans un avenir serein, pragmatique et durable pour tous les citoyens du Seignans. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais parce qu'il est soucieux de l'intérêt de tous les habitants du Seignans, que le lieu proposé est une erreur et que nous regretterons bientôt, mais il sera trop tard et que la solidarité et que l'humain d'abord, ce sont des actes, des modes de vie et non des slogans électoraux. Nous sommes à l'écoute et soutenons des centaines de riverains profondément inquiets du projet dans l'État. Vous ne me laissez d'autre choix que de voter contre. Anne Dupré. Ça marche ? Non. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous avoue que je suis ahurie. Voilà 6 maires du Seignans qui contestent un projet qui a été validé par des spécialistes, des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Voilà un vrai déni de réalité. Ce projet, à Loustonneau, il coche toutes les cases. Ne vous en déplaise. Au niveau légal, au niveau technique, au niveau environnemental, au niveau accessibilité, au niveau budgétaire, au niveau mobilité, au niveau du nombre de personnes qui pourront y accéder. Donc, je ne comprends pas, ou plutôt, je comprends que vous n'êtes pas dans un débat pour la piscine, vous êtes dans un débat politique, politicien, stérile, inintéressant. Il faut que les enfants du Seignans apprennent à nager, il faut que la population ait une piscine. Ce lieu coche toutes les cases. Je ne vois pas où est le problème, sinon de la pure politique politicienne. Alors, Isabelle Aspeitia. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, tout d'abord, je tiens à vous dire que mon groupe Saint-Martin, l'ambition continue, et moi-même, sommes bien pour la construction d'un équipement aquatique accessible à tous pour le Seignans. Madame la Présidente, vous n'avez de cesse de dire que nous sommes contre ce projet d'équipement aquatique, mais dois-je vous rappeler
que ce projet était initié par l'ancienne majorité, qu'il avait été décidé que cet équipement se ferait à Tarnos. Donc non, vous ne pouvez pas dire que nous sommes contre. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que nous sommes contre le fait qu'il soit sur le site que vous avez décidé avec le maire d'Ondres et de Tarnos. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'avoir un tel équipement pour que tous les enfants du Seignance apprennent à nager. Cet équipement va être financé en grande partie par les impôts des habitants des 8 communes. Et il me semble donc normal que tous les habitants du Seignance y aient accès. Il est donc primordial qu'il soit placé au barycentre de notre communauté des communes, c'est-à-dire au site 1 Les Tuileries. Cela s'appelle être solidaire. Dans la délibération que vous nous présentez ce soir, un seul site sur les trois nous est proposé. Le site Loustonneau, au centre-ville de Tarnos, enclavé entre des résidences et la RD 810. Aucune possibilité d'agrandissement, aucun stationnement. Ce site, où l'on peut y voir un panneau sur lequel il est inscrit « Zone de protection de la flore ». Là, pas de souci avec l'environnement. Le choix de ce site ne serait-il pas dû à une pression de M. le maire de Tarnos qui, en 2012, a signé un PUP avec un promoteur pour lequel la mairie de Tarnos avait touché 800 000 euros sous la condition de faire une piscine sur ce site. Lors de la réunion d'information qui a été organisée suite à la demande des maires de l'intérieur et des oppositions, ce site que vous avez choisi a été massivement rejeté par la population du Seignance et aussi rejeté par les maires, par 6 maires sur 8. Et vous appelez ça de la démocratie participative. Je vous rappelle que lors de votre présentation du projet au conseil municipal de Saint-Martin-de-Seignance, je vous ai questionné sur le calendrier que vous nous avez présenté. Il y était stipulé qu'il y aurait un conseil communautaire le 6 juin, qui finalement a été repoussé, soit par la pression des maires de l'intérieur, ou peut-être pour éviter un tumulte pendant les élections législatives. On ne le saura jamais. Puis, une réunion d'information à la population courant juillet. Je vous ai alors posé la question suivante, à savoir, comment pouvait-on délibérer sur un tel projet structurant pour notre communauté des communes et concerter la population dans un second temps? Vous m'avez répondu que de toute façon, c'était les élus qui décidaient et que ce dossier était trop technique pour nos citoyens. C'est donc là toute la considération que vous leur portez. Vous avez pu voir pourtant que les citoyens du Seignance étaient venus nombreux pour la réunion de présentation. Ceci démontre le grand intérêt de ce projet que ce projet suscite pour les habitants du Seignance. Cette réunion publique, demandée par les maires de l'intérieur et notre groupe à la commission générale, a permis aux habitants du Seignance de faire entendre leur voix, forcé de constater que les habitants avaient des choses à dire. Et aujourd'hui, ce ne sont même pas les élus communautaires qui décident, mais bien les deux maires des communes de Tarnos et Ondres. Sur ce dossier, il aurait été important d'avoir un vote à l'unanimité. Comprenez bien, après une telle mascarade, que je voterai contre cette délibération, car moi je prends en compte les avis de nos concitoyens. Surtout faites de la démocratie participative, mais n'écoutez pas vos concitoyens. Merci. Jean-Michel Mabillé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, tout d'abord, je rappelle que le groupe Vivre Ondres est pour un équipement aquatique dans le Seignance et sur la commune de Tarnos. Une première remarque concernant la manipulation de l'opinion publique, notamment sur les réseaux sociaux. Pour exemple, sur le Facebook officiel de la commune de Tarnos, on pouvait lire, je cite, « Il faut vous prononcer pour que la réalisation de l'équipement aquatique ne soit pas abandonnée le mercredi 6 juillet. » Mais pourquoi de tels mensonges? Mais pourquoi monsieur le chargé de la com de la ville prend de telles libertés? Tout cela n'est pas sérieux, madame la présidente. On n'a pas le droit de tromper la population de la sorte. Vous savez pertinemment que nous n'avons jamais été contre le projet de l'équipement.
Vous nous proposez ce soir de voter non pas pour ou contre la réalisation de centres aquatiques, mais pour ou contre la réalisation du centre sur le site numéro 3 ou le site numéro 3. En disqualifiant les deux autres sans véritable expertise juridique ou avis officiel des services de l'État, invoquant l'impact écologique basé sur une interprétation des résultats d'une étude flash, invoquant la loi Littoral sans être en possession d'aucun avis officiel des services de l'État, invoquant pour le site 3 simplement la proximité de la population tarnosienne, qui est bien sûr une évidence. Réaliser le centre aquatique au centre-ville de Tarnos, cela a du sens pour 8 ou 10 000 habitants. Mais que dira-t-on aux 15 ou 20 000 autres ? On ne veut pas les répondre, prenez le vélo et dans 10 ans vous aurez la piste cyclable, c'est pas sérieux. On ne veut pas rajouter du temps de piscine aux uns et du temps de transport aux autres. Dans votre hypothèse, ne faisons pas payer les communes qui ne pourront pas l'utiliser. Il faut construire une piscine intercommunale au centre de Tarnos qui servira certainement davantage aux Boucalais qu'aux habitants de l'Est du Seignanx. Le site numéro 1 a un gros avantage. Il est au centre géographique du Seignanx et où sera le barycentre du Seignanx dans 20 ou 30 ans. Forcément à l'est de Tarnos et d'Ondres. C'est d'ailleurs pour cela que le RD 85 a été réalisé. Et c'est dans cet endroit-là que la réserve foncière ont été faites par toutes les majorités précédentes. Se serait-elle trompée ? Pourquoi avoir acheté pour la Concom il y a à peine un an, sous votre présidence, les terrains de cette zone ? Les communes de l'intérieur ont une seule demande, un emplacement non excluant pour ce projet communautaire, et simplement ça. On a pu lire par-ci par-là des arguments. Celui du DGS de Tarnos sur le site, 7000 personnes qui peuvent venir à pied en moins d'un quart d'heure. Rappel, la population totale des 5 communes égale 4000 habitants. Et alors, ces habitants, ils payent des impôts. On a pu lire des écrits de Mme Belin, maire d'Ondres, concernant les défenseurs du site numéro 1. Ils avaient des arguments fallacieux et populistes développés par des visionnaires du passé. C'est très sympa pour les 6 collègues maires. Madame Belin a écrit également, je cite, « Grâce à une localisation au plus près de la population accessible au transport en commun, à pied ou à vélo, et en limitant l'étalement urbain, c'est un choix d'avenir. » Bizarre. Madame Belin a utilisé des arguments exactement contraires concernant le groupe scolaire qu'elle va construire à Ondres, à environ 4 km du centre-ville, à l'opposé du lieu de résidence des Ondrais. Le groupe Vivre Ondres vous demande, Madame la Présidente, de reporter la décision de localisation du centre aquatique. Nous pensons que la solution que vous nous proposez n'est pas la meilleure pour tous les habitants du Seignanx. Nous ne sommes pas 3 mois prêts. Prenons le temps d'une consultation citoyenne que vous l'aviez proposée dans le dernier mandat. Un enfant de Saint-Laurent ou d'Ondres doit être considéré de la même manière. On ne peut pas lui demander de déménager sous prétexte de faciliter le transport. La mixité de la population est une richesse et la solidarité doit être notre raison d'être. Comme l'a dit Julien Fichot, je cite, « Ce sera le plus gros investissement jamais réalisé dans le PCI ». Et il est nécessaire de ne pas se tromper. Et pour ne pas se tromper, il a rajouté, le plus simple, c'est qu'il y ait l'unanimité dans les votes. Nous vous proposons, Madame la Présidente, de prendre un peu de temps d'études supplémentaires pour trouver une autre solution, peut-être sur un autre site, afin de tendre vers l'unanimité des avis sur ce sujet. Dans le cas du maintien de celui-ci, nous voterons contre la localisation au centre-ville de Tarnos, qui est pour nous une fausse bonne idée. Francis Dubert. Ça marche ? Oui. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mon intervention sera plus courte et plus simple. Je veux simplement revenir sur les temps de parcours pour les scolaires qui ont été évoqués.
Ce n'est donc pas en qualité d'adjoint à l'urbanisme de la ville de Tarnos, mais en tant qu'ancien instituteur, tout comme Jean Baillet est intervenu la semaine dernière, et directeur d'école de Tarnos qui a exercé sur la commune durant 36 ans et qui, pendant de très nombreuses années, je ne les ai pas comptées, a accompagné ses élèves. Alors, non pas à la ZUC de Bayonne, je n'ai pas eu cette chance-là, faute de créneaux disponibles, mais à Biarritz, à la piscine de Plancouzut. Je ne sais pas si vous voyez, elle se situe sur la route d'Arbonne. Et même à certaines périodes, certaines années, à la piscine Lambagoyen, à Ustaritz, encore plus loin. Le temps de trajet, en fonction des horaires et du trafic, avoisinait les 40 minutes aller, 40 minutes retour. Et, je cite Jean Baillet, lors de la réunion publique de mardi dernier, au regard du plaisir que cela portait aux enfants et des conséquences positives sur leurs apprentissages, je ferme la parenthèse, personne, à l'époque, ni l'inspecteur de l'éducation nationale, que je ne nommerai pas ici, ni les enseignants, ni les parents, ne trouvaient à redire à cet état de fait. Le jour de la séance de piscine, on supprimait simplement les 20 minutes de récréation pour gagner le temps passé dans le bus. Les enfants n'étaient pas plus fatigués et ils éprouvaient un grand plaisir à prendre le bus, je peux vous le dire. Je rappelle aussi qu'un cycle de piscine ou de natation en école primaire s'étale sur un cycle de 10 séances. Il s'étale sur 10 séances, pardon, environ, à raison d'une séance par semaine, ce qui représente à peu près 2 mois sur une année scolaire, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Il n'y a pas de quoi mettre en péril la réussite scolaire de nos enfants, comme j'ai entendu là, qui perdaient des apprentissages fondamentaux. Je ne le pense pas. Et j'ajouterai que les bons résultats, et même les très bons résultats des élèves tarnosiens, relevés dernièrement par l'inspecteur de l'éducation nationale, sont là pour en témoigner. Donc, sans revenir sur les enjeux de transition écologique, de mobilité, de sobriété foncière, tout ce qui a pu déjà être évoqué et que je soutiens bien sûr, moi je vote donc pour ce projet numéro 3, pour que tous nos enfants apprennent à nager rapidement et puissent profiter des joies de l'océan en toute sécurité. Donc pour moi, cette piscine est absolument indispensable, et ce, pas dans 30 ans, mais dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Jean-Marc Lard. Oui, madame la présidente, mesdames, messieurs les conseillers communautaires. Avoir des convictions et les défendre, c'est bien. Mais avoir des convictions et les défendre dignement, c'est mieux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis plusieurs semaines, nous, maires, élus et citoyennes des communes de l'intérieur, sommes dénigrés, voire insultés par ceux qui ont la conviction et le défendent sur un équipement aquatique en centre-ville de Tarnos. La dignité, madame la présidente, commande le respect. Et dans le dossier qui nous occupe aujourd'hui, vous semblez avoir oublié et l'un et l'autre. Vous publiez ou faites publier sur les réseaux des contre-vérités insinuant que nous, les très petits maires, je cite, sommes contre un projet d'équipement aquatique, que nous sommes out, dépassés, arriérés, manquant de hauteur et d'ambition. Bien que vite modifié, le message initial de Madame Dupré était parfaitement clair et totalement indigne. Outre cette attaque gratuite et non argumentée, laissez-moi juste vous rappeler à vous et l'ensemble des conseillers communautaires que, comme nous l'avons exprimé plusieurs fois, nous sommes bien à Biodos pour un équipement aquatique dans le Seignanc sur la commune de Tarnos et un équipement fait rapidement. Nous sommes peut-être out, mais nous refusons que le débat soit pris en otage et inaccessible aux citoyens au motif démagogique que, je cite, « les élus sont élus par les citoyens pour décider à leur place ». Nous refusons cet argument, surtout quand près de 15 millions d'euros d'argent public sont en jeu. Nous refusons cet argument car, au moment de votre élection, les citoyens, s'ils avaient certes entendu parler d'une piscine, n'avaient aucune connaissance des contours de ce projet, qui, selon vous, aurait été mûri durant les assises. Une précision à ce jour, et c'est vérifiable, sur la fameuse plateforme citoyenne, une seule proposition fait état d'une piscine. À quel autre moment avez-vous échangé et mûri ce projet avec les habitants ?
Nous refusons cet argument car, contrairement à vous, nous estimons que les citoyens doivent être associés à cette décision de façon directe et nous ne sommes pas omniscients. Représenter ne veut pas dire penser à la place d'eux. Enfin, nous refusons cet argument car il est dégainé comme cela vous arrange. Pour mémoire, en 2010, au moment des débats sur le passage en taxe professionnelle unique, des débats et réunions publiques auxquelles vous avez participé ont eu lieu pour informer les habitants avec respect. Et puisque nous étions dans le même combat à ce moment-là, Madame la Présidente, je vais revenir au tutoiement d'usage dans notre famille politique d'alors pour te rappeler que tu as participé au débat citoyen. Heureuse qu'il puisse se tenir. Tu t'es courageusement affronté à Jean-Marc Lespade, alors maire de Tarnos, porté par tes convictions et soutenu par le président Henri Emmanuelli, qui s'était déplacé à Tarnos pour une réunion publique salle Maurice Thorez. Tu as appelé ce débat citoyen de tes voeux et après consultation des habitants, tu as voté pour une vision dans le sens du partage, de la solidarité, de l'égalité, principe au cœur de notre réflexion communautaire, afin de porter des projets structurants pour tous les habitants du Seignans. En 2011, lorsque la municipalité tarnosienne a organisé un référendum pour l'adhésion de Tarnos à l'agglomération bayonnaise, de ceux qui ont voté pour ou de ceux qui ont voté contre, je n'ai entendu personne à l'époque argumenter sur le rôle tout-puissant des élus désignés pour décider en lieu et place des citoyens. Et tout le monde a respecté cette démarche, pour ou contre le sujet de fond. Tu étais encore élu en 2019 dans la majorité tarnosienne. Tu as participé à la consultation citoyenne pour savoir si les Tarnosiens étaient favorables à ce que la ville continue d'exiger de la communauté des communes Seignans un certain nombre de points, de revendications. Tu as, comme tes colistiers, organisé et mené le débat sans te cacher derrière la légitimité des élus, argument que tu avances pourtant aujourd'hui. Et plusieurs mois avant, avec la majorité tarnosienne, tu as soutenu la contestation contre l'instauration de l'ATOM. Je ne doute pas que tu étais, et que tu es encore, convaincu de tes arguments et de ton combat. Mais souviens-toi que tu as organisé et participé aux rencontres citoyennes qui vous ont permis de vous exprimer largement sur ce sujet. Alors au passage, nous sommes peut-être out, arriérés, vieux, comme disait madame, et avec une vision étriquée. Mais si nous n'avions pas adopté l'ATOM tel que nous l'avons fait en 2015, nous ne serions pas là aujourd'hui à porter ce projet magnifique d'équipement aquatique, force de ressources financières, même si vous l'avez divisé par deux, mais vous avez mis effectivement un foncier bâti en plus. L'historique que je viens de dresser démontre que les mesures prises avant ont été largement expliquées à la population par l'intermédiaire de publications, de réunions publiques et de consultations. Le débat démocratique a eu lieu, le même que tu refuses aujourd'hui, t'abritant sous le barnum des assises. Ne pensez pas, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, comme je l'ai aussi beaucoup entendu ces derniers jours, qu'il y ait un esprit de revanche de notre part. Nous avons, comme vous tous, mené les combats qui nous semblaient justes. Et aujourd'hui, nous en menons un autre, qui est la liberté de la parole citoyenne pour un projet d'envergure pour tous. Tout le territoire. Quelle que soit l'issue de cette consultation citoyenne, elle doit avoir lieu. Donc oui, nous demandons une large consultation des citoyens sur le projet d'équipement aquatique dans le Seignans, de façon plus institutionnelle que ce semblant de démocratie participative que tu as nommé Assise du Seignans et qui, au bas mot, aura coûté plus de 50 000 euros à la collectivité, du moins si je me rappelle bien, c'était le budget qui était réservé à ces assises. Belle opération de communication, mais tellement vide de sens. D'ailleurs, nous t'avons plusieurs fois demandé le bilan financier de cette opération, mais nous ne l'avons jamais obtenu. Quand je parle d'informer et donner la parole aux citoyens, là aussi je souhaite supprimer toute démagogie du discours, commencer par les informer dignement, une fois encore, et non par le biais d'une seule réunion publique arrachée par nous, les maires du Seignans, les maires de l'intérieur. Dignement avait des données factuelles, dénuées de manœuvres politiques. À commencer par l'étude environnementale des trois sites, qui comme par hasard est incomplète pour le site 1,
que nous défendons bien sûr. Incomplète, pas tout à fait, trop complète à vrai dire, de la déclaration même de Madame la directrice du CPIE, précisant lors de la réunion publique du 28 juin la commande équivoque qu'elle avait reçue de votre part. Oui, le site 1 est tout aussi utilisable en matière environnementale que le site 3. Cessez de marteler le contraire. De toute façon, il y a une réunion avec la DDTM lundi. Croyez bien qu'on y sera. La fameuse loi littorale derrière laquelle vous vous attachez pour justifier votre campement en site 3. C'est étrange, comme cette fois-ci, vous oubliez votre rôle d'élu. Finalement, c'est comme cela vous arrange. Tarnos, pourtant championne du monde de la banderole anti-étatique, veut nous faire croire qu'à ce niveau, la politique ne peut rien faire. Ce n'est pas détruire l'environnement que d'inclure dans des dispositifs des cas qui auraient pu être occultés par le législateur, surtout sans étude d'impact environnemental, ni aucune étude sur les quatre saisons. Je vais finir en rappelant que nos 6 communes ne répondent à aucune logique de parti politique. Que ce soit bien clair, les habitants, parents d'élèves majoritairement, sont spontanément venus à notre rencontre pour évoquer leur inquiétude sur l'emplacement de la future piscine. Ils se sont organisés eux-mêmes. Ils n'ont pas cette tradition de mobilisation que les 2 communes d'Ondres et de Tarnos peuvent avoir. Ils n'ont pas de directeur de cabinet pour assurer leur communication et ils n'ont pas besoin que les élus défilent à leur côté ou fassent signer des pétitions sur le parking de Carrefour pour tenter de faire entendre leur voix. Nous les représenterons et nous les représentons pardon, ce soir dans cette assemblée et nous portons leur message. Ils souhaitent une réelle et légitime consultation citoyenne sur l'emplacement de l'équipement aquatique. D'ailleurs, les commentaires laissés sur la pétition relayée par notre collègue Madame Belin reflètent aussi la parole de certains habitants et ils sont à prendre en compte. Exemple, une piscine pour les Tarnosiens correspond à une évolution positive pour la cité. Ou, je signe, pour tous les habitants de Tarnos, ville de sport pour tous. Je m'interroge, ces habitants ont-ils été informés que, dans tous les cas, la piscine serait construite à Tarnos ? Ces habitants ont-ils été informés que cette piscine serait communautaire et pas seulement pour les Tarnosiens ? Leur positionnement me questionne sur le degré d'information qu'ils ont reçu. Savent-ils que, faute de temps, les enfants des communes de l'intérieur, mais également ceux des Barthes de Tarnos, très certainement, ne pourront pas se rendre sur le site 3 pour apprendre la natation ? Ou bien ont-ils trouvé dans ce projet le juste retour sur investissement que le maire de Tarnos réclamait en 2019 avec cet argument fallacieux, on l'a encore entendu ce soir, des 3/4 du budget communautaire alimenté par la commune de Tarnos. Ces habitants pensent peut-être, comme il aurait répété de façon mensongère, qu'ils paient plus que les habitants du territoire, ce qui justifie leur envie d'une piscine au cœur de leur ville. Rappelons au passage que ceci est faux, bien sûr, puisque ce sont les grandes entreprises de Tarnos, mais aussi du reste du territoire, notamment à Saint-Martin-de-Seignanx. Il y a des entreprises, des grandes entreprises à Saint-Martin-de-Seignanx, qui alimentent une partie du budget communautaire. L'habitant tarnosien, lui, ne contribue pas plus que n'importe lequel de ses concitoyens du Seignanx. Depuis 30 ans, il y a eu plusieurs sujets d'opposition au sein de notre conseil communautaire, avec toujours un regard citoyen impliqué. Mais jamais aucun sujet n'aura été traité avec autant de mépris pour les très petites communes, créant la stupeur, le mécontentement, le sentiment d'humiliation et la trahison exprimée par nos habitants. Madame la Présidente, en accélérant le vote de ce soir, en refusant le report de la délibération, en refusant simplement le débat démocratique avec les citoyens, soyez assurés que votre mandat sera, et je le pèse fort, sera celui de la présidente de la fracture de notre territoire. Et je suis vraiment désolé. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, il n'y a aucune urgence à voter cette délibération ce soir. En étant informé il y a 8 jours, le 28 juin dernier, de soi-disant nouvelles dispositions législatives concernant le site 1, Madame la Présidente prend aussi votre parole et votre capacité de réflexion en otage. Reportons ce vote, organisons des débats dès demain avec des notions permettant à toutes et à tous d'appréhender les nouvelles informations. Et surtout,
étudions le site numéro 4 ou notre balayé d'un revers de main alors qu'il remplit tous les critères exigés. On aura l'occasion d'en reparler. Permettons aux citoyens d'être largement consultés. Soyons dignes et respectueux de notre fonction et surtout de ceux qui nous ont fait confiance en nous donnant leur voix. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, je vous demande de peser votre vote et vous invite à voter contre en attendant une délibération plus posée et un débat citoyen à la hauteur des attentes des habitants. Il ne s'agit pas d'annihiler vos convictions, mais de permettre à la démocratie de vivre pleinement. En reportant ce vote, vous êtes, tout comme moi, surpris et impuissants des résultats fascinants des dernières élections qui ont montré toute la méfiance de la population vis-à-vis des politiques. Qu'on le pèse bien, tout ça. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, vous avez la possibilité ce soir d'éviter une grande crise majeure et irréversible dans le Seignance. En votant contre, vous permettrez d'ajourner le vote et d'organiser d'ici là un débat serein, étayé des compléments d'information donnés le 28 juin dernier et possiblement contre-expertisé par une réelle information de tous sur les trois sites présentés et sur un quatrième envisageable. Compte tenu des enjeux d'égalité, de solidarité, d'aménagement, d'environnement, de cohérence aussi, financier mais bien sûr aussi démocratique, nous ne sommes plus à quelques semaines près. On est prêt à travailler, vraiment à travailler. On ne part pas en vacances, mais on viendra travailler s'il faut. Je vous remercie, mes chers collègues, de réfléchir ce soir à être juste, à être digne, à être respectueux et à donner sa place à la démocratie dans le Seignance en ajournant le vote. Je vous remercie. Julien Fichot. Bonsoir à tous. Une communauté de communes doit s'identifier par des équipements fédérateurs et représentant l'ensemble de ses habitants. Un équipement aquatique dans le Seignance s'impose comme une ambition sociale, sportive et éducative. Une ambition sociale, car cet équipement doit être accessible au plus grand nombre avec une politique tarifaire forte. Une ambition sportive, avec les valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et de respect, et un club de natation du Seignance. Enfin, une ambition éducative, avec un apprentissage pour tous nos enfants, dans le partage et la transmission. En tant qu'élu de Saint-Martin-de-Seignance, nous sommes évidemment convaincus de la nécessité d'un tel équipement pour notre territoire du Seignance. Et nous sommes pleinement mobilisés pour concrétiser ce beau projet. Après avoir recherché et trouvé un consensus sur les premiers comités de pilotage, et notamment sur le programme, nous avons un sentiment d'inachevé. Le travail, pour nous, n'est pas terminé. Le lieu proposé dans cette délibération, ce soir, ne correspond pas aux aspirations de tous nos administrés. Ce projet est le plus ambitieux pour le territoire depuis la création de la communauté des communes en 1993. Et la réflexion sur son emplacement n'aurait pas été la même si ce projet n'avait pas ce contexte. Nous devons en faire un élément fédérateur pour le projet de territoire. Il doit incarner le projet politique de notre Seignance. Un projet de territoire à 8 ne peut être incarné qu'à 8. À ce montant d'investissement, 13 millions d'euros, notre responsabilité est de prendre une décision unanime et nous oblige à faire un choix d'adhésion et non pas un choix par défaut. Un travail collectif s'avère donc nécessaire pour imaginer
et trouver un emplacement répondant à tous nos critères afin de faire de ce projet une réussite. Nous sommes, on le sait tous, à un moment charnière dans l'histoire de notre communauté de communes. Nous demandons donc, Madame la Présidente, le retrait de cette délibération et la continuité d'un travail avec pour objectif le consensus et le vote unanime des 8 communes composant notre séance. C'est possible, c'est nécessaire, c'est indispensable. Alain Dichary. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames, Messieurs les élus communautaires, en préambule, je tiens à rappeler quelques éléments. Je tiens à rappeler que la communauté des communes du Seignans est une seule et même entité constituée de 8 communes que sont Biarrotte, Biodos, Ondre, Saint-André-de-Seignans, Saint-Barthélemy, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Martin-de-Seignans et Tarnos. Que l'on ne peut dès lors opposer les grandes communes à celles des très petits maires à courte vue, comme ose l'écrire publiquement sur les réseaux sociaux un membre de la majorité tarnosienne, non sans un manque de respect, voire de mépris, envers les élus de la République que nous sommes. Que la commune de Biarrotte, que je représente ici, est pour un équipement aquatique situé sur la commune de Tarnos, au service de tous les habitants du territoire du Seignans. Que la vocation de cet équipement aquatique est avant tout de permettre l'accès à tous les enfants du territoire sans exclusion et dans les meilleures conditions possibles à l'apprentissage de la natation qui est inscrit au programme scolaire, que ces enfants soient de Tarnos ou d'une des 7 autres communes. Enfin, que cet équipement est également voulu ardemment par tous les habitants de l'ensemble de ce territoire du Seignans, ainsi qu'on a pu le voir. Mais force est de constater, Madame la Présidente, que ces considérations vous échappent, ainsi qu'aux élus de la majorité tarnosienne et ondraise de cette Assemblée. Et que ce sujet de l'équipement aquatique est le marqueur d'une division, d'une crise sans précédent, d'une fracture profonde qui s'est instaurée aujourd'hui par votre détermination tout aussi autoritaire qu'irresponsable, et je le crains pour longtemps. Nous sommes en effet au tournant de votre mandature avec la mise au vote de ce qui constitue le projet majeur jamais porté par notre communauté de communes pour tout son territoire depuis sa création. Ce projet, qui aurait dû être fédérateur pour un territoire indivisible, solidaire, équilibré, est devenu au fil des mois un sujet de discorde, de rupture de confiance, en raison du mépris avec lequel 6 communes sur 8 et par là même les habitants qui les composent sont traités. Vous êtes en train de creuser un fossé irrémédiable entre communes rurales et urbaines du Seignans. De façon autoritaire et en disant que cela n'allait pas, je cite, vous empêcher de dormir, vous avez d'un revers de main balayé les sites 1 et 2 pour nous imposer ce soir un vote binaire oui-non pour l'implantation du centre aquatique sur le site 3. La commune de Biarrotte défend le site 1 dit les Tuileries non inscrit sur cette délibération. Ce site 1, soutenu par 6 des 8 communes du territoire, vous l'avez traité à charge, notamment sur des questions d'urbanisme, de mobilité et d'environnement, sans essayer de trouver des solutions pour défendre un projet politique équitable du territoire, du Seignans, notre Seignans à tous. Vous affirmez ainsi que ce site 1 serait sous le coup des lois, des dispositions de la loi littorale, sur la base d'un simple échange de mails très récent entre vos services et un agent de la DDTM, contacté à titre informatif et dont le tutoiement utilisé entre les deux interlocuteurs laisse pensif. L'existence de cet échange nous a été révélée seulement lors de la réunion publique du 28 juin dernier, le premier vice-président de la communauté des communes chargé de l'urbanisme n'en étant même pas informé, ce qui reflète encore une fois votre fonctionnement partial sur ce dossier. À ce jour, il n'y a pas d'avis officiel et juridique de l'État indiquant que la loi littorale s'appliquerait de manière à ne pas permettre la réalisation d'un projet d'équipement aquatique sur le site 1 des Tuileries, comme vous le prétendez, comme vous en avez informé ou désinformé, de sorte que nous rencontrerons la DDTM à ce sujet lundi prochain.
De plus, sans crainte de vous contredire, vous avez avec le conseil départemental, via le syndicat mixte, ici représenté par Mme Belair et M. Lespade, acheté très récemment plus de 4 hectares de terres urbanisables sur ce fameux site 1 pour 500 000 euros, alors que vous soutenez aujourd'hui qu'il ne peut accueillir un équipement aquatique en raison des restrictions imposées par la loi Littoral. Je vous ai déjà interpellé sur ce sujet sans que je ne reçoive de réponse à ce jour. Dès lors, Madame la Présidente, soit vous ne savez plus quelles décisions ont été prises sous votre gouvernance il y a à peine un peu plus d'un an, et on doit s'en inquiéter, soit au contraire, vous manipulez les informations afin de justifier les positions contraires que vous soutenez aujourd'hui pour les seuls besoins du vote de ce soir. Dans les deux hypothèses, une telle acquisition peut constituer une faute grave dans la gestion de la collectivité, à moins qu'à terme, ces hectares achetés dans ces conditions ne soient réellement urbanisables, ce que je pense, car l'axe du RD 85 a été créé afin d'irriguer le futur développement du Seignans et non de simples terres en jachère. S'agissant de la question de la mobilité, je vous rappelle que cette semaine, vous avez inauguré le lancement de la ligne Tchitchak sur Saint-Martin-Seignans, ligne qui permettra une desserte du site 1 grâce à la navette 58. Enfin, concernant la question environnementale, selon le compte-rendu du CPIE, il apparaît que cet équipement aquatique est parfaitement réalisable sur une partie du site 1 sans impacter l'environnement. Pour toutes ces raisons, et d'autres encore nombreuses, il nous semble inconcevable de ne pas mettre au vote ce site 1. Lors du dernier mandat, vous nous avez affirmé à tout bout de champ qu'il ne fallait pas se précipiter sur des dossiers tels que le PLUI, mais également l'équipement aquatique. Or aujourd'hui, nous ne comprenons pas la raison d'un tel empressement à faire voter l'emplacement de ce centre aquatique, alors que nous ne disposons pas encore de l'ensemble des éléments techniques et juridiques, seuls à même à nous permettre une décision responsable. Je ne conçois pas les valeurs de solidarité et d'équité soient à sens unique. Ce n'est pas ma vision de notre territoire et de ceux qui le peuplent. C'est la raison pour laquelle, depuis 14 ans en qualité de vice-président à l'Habitat puis à l'Action sociale, j'ai œuvré sans distinction aucune au service de tous les habitants du Seignans en défendant ces valeurs, qui aujourd'hui sont mises à mal et m'interrogent sur l'avenir de notre Seignans. Pour tous ces éléments, Biarrot ne votera pas ce site 3, car les éléments mis à notre disposition sont à minima incontestablement biaisés, voire mensongers. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus communautaires, je vous demande en vos âmes et consciences de bien réfléchir à votre vote qui sera prépondérant pour l'image de notre collectivité pour les prochaines décennies. Écoutez le mécontentement de la population ici présente et essayez par votre vote ce soir de réinstaller le dialogue, une harmonie et une cohésion à retrouver sur l'ensemble du territoire. Nous avons montré sur ces deux premières années de votre mandat, Madame la Présidente, notre volonté d'aller de l'avant. C'est à vous aujourd'hui de faire un geste pour un Seignans solidaire et apaisé, comme vous l'avez annoncé lors de votre prise de fonction. Alors, Isabelle Nogaro. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, la biodiversité néo-aquitaine actuelle est inexorablement vouée à un appauvrissement drastique. Voilà ce qu'affirme l'article « Les sentinelles du climat » paru dans le journal Sud-Ouest du 27 juin dernier. Comment ne pas se réjouir de vivre dans une communauté préservée, d'un patrimoine environnemental exceptionnel, cependant fragile, pour ses enjeux de biodiversité, ses enjeux hydrauliques, ses bassins versants, ses barthes et le fleuve Adour, son littoral dunaire, ses tourbières de fleuves uniques en Aquitaine. Et comment ne pas se réjouir d'y accueillir de nouveaux habitants avec des défis de logement, des défis économiques et des défis de mobilité. C'est le travail qui est conduit depuis plusieurs mois sur le futur plan local urbanisme intercommunal du Seignans, le PLUI. Il nous révèle à chaque comité technique et à chaque comité de pilotage, au cours de nombreuses heures de travail de concertation avec des partenaires institutionnels et associatifs, les enjeux incontournables et les défis pour un monde vivable
pour nos enfants. Ces partenaires précieux nous rappellent les lois, les contraintes, mais aussi les solutions possibles. Julien Fichot, en charge du PLUI, ne me contredira pas sur ce constat. La loi Climat et Résilience d'août 2021 sur la sobriété foncière dans les 10 ans à venir, puis, à partir de 2050, le zéro artificialisation net, la loi Littoral, la préservation des espaces naturels agricoles en sont des exemples. Nous n'avons pas non plus seulement le choix de la raison, mais de l'action. Chacun ici s'enorgueillit de nos partenaires satellites travaillant en étroite collaboration et reconnus pour leur expertise que sont l'Office de tourisme du Seignans qui défend un tourisme durable vantant une nature exceptionnelle. Le comité de bassin d'emploi du Seignans pour le développement de projets d'économie sociale et solidaire, créateur d'emplois en accord avec les enjeux environnementaux et récemment labellisé plan alimentaire territorial de niveau 2 sur les questions de relocalisation de l'agriculture nourricière. Et enfin, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Seignans à Dour, le CPIE, pour ses actions sur notre territoire en matière d'éducation à l'environnement à tout public et particulièrement dans nos écoles, et ses travaux et expertises environnementales reconnues bien au-delà du Seignans. Justement, ici, chacun ne tarit pas d'éloges sur ces travaux du CPIE, tant sur les paysages de tourbières en restauration à Saint-Laurent-de-Gosse, que sur les nombreux espaces Natura 2000 à préserver, que sur les barthes communales pour lesquelles un plan de gestion a démarré 2021-2031 sur 6 communes du Seignans. Faire fi des lois, remettre en cause les travaux éclairés du CPIE sur les sites identifiés pour l'équipement aquatique est incompréhensible. C'est inentendable pour des élus responsables que nous sommes. Sur les enjeux de mobilité de notre Seignans, le diagnostic du plan climat air énergie territorial, dit PCAET, vient rappeler que les transports sont la première cause des gaz à effet de serre sur notre territoire. Les nombreuses réunions de concertation sur ces questions avec les maires des communes de l'intérieur et l'Agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées, l'ODAP, ainsi que la desserte en transport collectif Tchic-Tchac des 2 communes d'Ondres et Saint-Martin depuis 2 jours, mettent à jour très concrètement les efforts que nous fournissons pour que le grand nombre de nos concitoyens puissent renoncer à sa voiture individuelle de temps à autre à minima. Les connexions avec les habitants des communes de l'Est sont désormais identifiées et demandent à être concrétisées avec la région Nouvelle-Aquitaine, organisatrice des transports pour celle-ci. D'ailleurs, l'ODAP, animateur de ces réunions, confirme que le territoire est plutôt bien pourvu en solutions de mobilité et que nos pratiques personnelles sont individuellement à changer par beaucoup plus de covoiturage, de transport à la demande, que nous étudierons très prochainement, du vélo, avec les équipements en liaison douce bien avancés et à poursuivre, du train pour les gares d'Ondres et les gares d'Urte, des transports collectifs, mais aussi du transport intermodal privilégiant plusieurs transports. L'armature des déplacements commence à bien se dessiner. En adoptant cette délibération, nous sommes au rendez-vous de l'histoire, celle d'élus responsables qui ont à cœur de satisfaire 2 responsabilités essentielles pour notre territoire commun du Seignans. Celle d'offrir les conditions normales d'apprentissage de la natation aux enfants du territoire, alors que depuis plusieurs années, cette obligation n'est pas remplie. Et celle de faire le choix le moins impactant possible pour la planète d'un emplacement et de la préfiguration de l'équipement de nature à répondre aux enjeux de mobilité et de transition écologique. Je vous remercie.
Alors, est-ce que j'ai oublié des prises de parole? Donc, parce qu'on va, il est tard, je pense qu'on a déjà beaucoup dit de choses. Pas de prise de parole? Oui, j'ai vu, hein, mais je vérifie parce qu'après, je conclurai les débats. Donc, pas d'autres prises de parole? Donc, Nicolas Domé. Allô, allô. C'est bon. Je fais vite. Bon, on entend des manifestations dehors et moi je suis pas, on n'est pas insensible, bien sûr, à ce qu'on entend. Moi j'ai l'habitude de soutenir des expressions populaires. C'est pour ça que je voudrais vous faire parvenir une pétition soutenant l'implantation sur le site de Loustonon, qui a été lancée il y a 5 jours et qui a recueilli 3092 signatures. Je tiens à signaler qu'on a beaucoup parlé des petites communes. Je voulais dire que les habitants de Hondres et de Tarnos aussi sont aussi des citoyens du Seignanx et que leur voix doit être aussi entendue. Très bien. Donc, merci donc pour effectivement la transmission de ces écrits. La preuve effectivement que c'est un équipement attendu. Donc, maintenant il faut passer au vote. J'ai l'occasion de le dire, ce vote n'est pas une fin en soi, puisque c'est le début d'une nouvelle étape. Je l'ai évoqué effectivement comme étant une étape dans laquelle on va mobiliser, alors toujours le cabinet Noga, spécialisé sur ces questions. Il était présent lors de la réunion publique, il est venu à nos derniers groupes de pilotage. On continuera de travailler avec son assistance à nos côtés. On va initier des groupes de travail, je l'évoquais. Donc, 4 groupes de travail ont été retenus. Un sur la question des scolaires, puisque monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale que nous avons rencontré et qui nous a rassurés, parce qu'effectivement, j'ai entendu les inquiétudes des enseignants, directeurs d'école et parents d'élèves lorsque je suis venue à Biarrotte et lorsque je suis venue à Saint-André. Quoiqu'à Saint-André de Seignanx, ils étaient un petit peu moins interrogatif, puisque Jean, tu peux en témoigner, ce jour-là, les directeurs et enseignants d'école ont indiqué que eux, ce qu'ils voulaient, c'était un équipement aquatique. Deux enseignants ont quand même évoqué cette demande-là. Et quel qu'était le lieu, elle serait satisfaite de l'implantation de cet équipement aquatique. Donc, on va reprendre les choses autour des questions de l'accessibilité pour les scolaires. Et on mobilisera l'inspection de l'éducation nationale et les parents d'élèves à ce sujet. Un autre groupe sur la question des activités de loisirs. Et j'étais encore ce matin avec une habitante de Hondres, par ailleurs donc investie dans une fédération sportive, qui indiquait à quel moment elles allaient pouvoir être associées à ce projet-là. Donc il y aura un groupe de travail sur les questions de loisirs, détente éducative, loisirs et détente. Il y aura également un groupe de travail sur la question de la gestion de cet équipement, accompagné donc du cabinet Noga. Et enfin, une question autour de la question de la transition écologique, ça vient d'être évoqué par Isabelle Nogaro, notre vice-présidente, sur ce sujet. Il convient de faire un équipement durable et il faudra donc qu'on se préoccupe de ses caractéristiques techniques. Donc vous voyez, le travail n'est pas terminé. Oui, il y a obligation d'aller quand même vite, puisque si on veut que l'équipement soit ouvert en fin d'année 2025, il convient de ne plus traîner. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont participé aux différents travaux, et notamment les services techniques, bâtiments, ainsi que Laurent Claude à mes côtés, puisqu'ils n'ont pas vraiment ménagé leurs peines et leurs efforts pour essayer d'éclairer notre avis sur l'ensemble des sites qui ont été travaillés, étudiés. Voilà, donc maintenant je sais qu'il faut passer aux voix. Je vais donc soumettre ce...
Deux mots. Il n'y a aucune réponse par rapport aux questions qu'on a posées, quoi. C'est le vote est sans équivoque, quoi. Le vote donc va être soumis là maintenant. Comme je l'ai indiqué, on a parlé de détermination. Regardez peut-être la loi littorale. Non, il n'y a rien dessus. La loi littorale donc porte des fragilités. On ne va pas refaire le débat, Pierre. Bon, mais d'accord. Mais non, c'est juste. Donc tu me réponds. Je pense qu'on a voilà. suffisamment évoqué ces questions-là en groupe de pilotage, en réunion publique, en bureau communautaire, etc. Donc je pense que maintenant, il est temps d'exprimer les votes comme ça a été évoqué, comme certains le demandent, comme d'autres le réclament. Donc je vais soumettre cette délibération aux voix. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc qui est pour ? Donc, cette délibération est adoptée avec 18 pour et 15 contre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers, on va sortir, puisqu'on a besoin d'informer les gens qui sont derrière le truc, et croyez, et on ne reviendra pas. D'accord. On ne reviendra pas. Très bien. Donc, on va continuer nos travaux. Donc, ceux qui souhaitent sortir vont être accompagnés par Monsieur Laurent Claude. Parce que c'est la porte d'entrée qui est là-bas. Alors, donc on continue nos travaux. On passe à la composition des commissions suite à la démission d'un conseiller municipal d'une commune membre de l'EPCI. Donc, il s'agit donc de représenter, de réinstaller donc des nouveaux candidats pour remplacer M. Benoît Pourteau, qui est un conseiller municipal de Biarrotte et qui a donc porté à notre connaissance sa démission. Donc je rappelle que pour former les commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, il appartient au Conseil communautaire de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. Les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Toutefois, le Conseil communautaire peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ce qui est notre cas, pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communautaire. Par délibération donc, de juillet 2020, il a été créé 9 commissions. Dans un courrier du 23 mai dernier, M. le maire de la commune de Biarrotte a informé que M. Benoît Pourteau, conseiller municipal, a donc démissionné de son mandat électif. Cette démission a pris effet le 8 mai dernier. Monsieur Pourteau était membre titulaire de la commission culture et membre suppléant de la commission transition écologique, agriculture et déplacement. On vient donc de procéder à de nouvelles désignations. Et donc, il est proposé que Madame Aurélia Meuset se substitue à Monsieur Benoît Pourteau en tant que membre titulaire au sein de la commission culture. Monsieur Philippe Lecomte se substitue, lui, à Madame Aurélie Meuset en tant que membre suppléant, toujours de la même commission culture. Et enfin, M. Jean-Romain Lestanguet se substitue à M. Benoît Pourteau en tant que membre suppléant au sein de la commission transition écologique, agriculture et déplacement. Donc, je vous propose de délibérer, de ne pas avoir recours au bulletin secret, au vote à bulletin secret, sauf si vous me le demandiez. Pas de demande. Donc, vous avez... En fait, sur table, les commissions, parce qu'il y avait une petite erreur là dans la délibération, je crois, c'était, on avait oublié de remplacer M. Schneider
dans la commission Habitat et Logement. Ah non, c'est la 2. Mais oui, mais je les ai là, moi. Ah, d'accord. Très bien. Donc, sur cette proposition donc, de changement d'affectation hein, par rapport à la démission de Benoît Pourteau, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Très bien. Donc, toujours par rapport à la démission donc, de M. Pourteau, là, on va le remplacer puisqu'il siégeait à l'association Office de tourisme du Seignanx suite à sa démission, donc. Voilà, donc toujours les mêmes, bien sûr, explications. Donc la commune de Biarrot propose Madame Aurélia Mézé pour siéger en tant que représentant titulaire et Monsieur André Joie pour siéger en tant que représentant suppléant. Voilà, donc vous avez le tableau et je vous propose également, sauf si vous me le demandiez, de voter non pas bulletin secret mais à main levée. Tout va bien là-dessus. Donc qui est pour remplacer Monsieur Pourteau par Madame Aurélia Mézé, unanimité. Et enfin, la proposition numéro 4, toujours sur ce même sujet. Et donc, c'est là qu'on a eu la délibération, ici. Voilà, d'accord. Donc, du coup, c'est par rapport au syndicat mixte des rivières Côte-Sud, où Monsieur Pourteau était donc siégeant, suppléant. Donc, on propose que M. Lecomte reste, enfin, soit membre titulaire et M. Garance soit membre suppléant. Voilà, toujours pareil, pas de demande de vote à bulletin secret. Donc, proposition qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté également. Lotissement de la zone d'activité de sous-espèce à Saint-Martin-de-Seignanx, donc c'est la zone d'aménagement concerté de l'Ermitage Norton par rapport à l'aménagement cyclable à Saint-Martin-de-Seignanx, c'est des acquisitions de terrain. Et c'est Madame Belin qui va nous présenter cette délibération. Merci Madame la Présidente, je vais essayer d'être pas trop longue. Il s'agit donc dans le cadre de l'aménagement de nos zones d'activité en relation avec le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des parcs d'activité économique du Seignanx. Donc dans la prolongation des zones de sous-espèce et de Norton dont l'aménagement a été confié à la SATEL, il nous est proposé ici d'acquérir 3 parcelles à l'indivision de Thomas Deschênes qui souhaite les céder à la communauté de communes. Donc cette indivision est un voisin immédiat de nos zones. Donc il nous est proposé d'acquérir, dans la continuité de sous-espèce, une bande de 3 mètres de large permettant d'assurer l'entretien d'un merlon pour une surface totale de 566 mètres carrés qui concerne les parcelles section L numéro 1979, 77 et 75 et classées en zone AUEO et NEP au PLU pour un montant de 4 433,80 € hors taxe. Ensuite, dans la continuité de la ZAC de l'Ermitage Norton, une parcelle section L numéro 1973 limitrophe à un futur bassin de rétention pour une surface de 6 345 m² classée en zone NP au PLU pour un montant total de 951,75 € hors taxe. Et enfin, de manière continue à l'aménagement cyclable de la RD 26, il est proposé d'acquérir les espaces aujourd'hui constitués d'une haie végétale de part et d'autre de l'entrée de la propriété de l'indivision Thomas Deschênes et représentée par les parcelles section L, numéro 1964, 68, 69 et 80, d'une surface totale de 538 m² pour un montant de 4 304 € hors taxe. Il est dit que, vu la compétence obligatoire création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité de la Comcom issue de la loi NOTRe, considérant le lotissement économique sous-espèce et le projet d'aménagement de la ZAC de l'Ermitage Norton limitrophe à ses parcelles, considérant l'aménagement cyclable le long de la RD 826 et le souhait d'assurer la gestion de sa limite, considérant l'accord de principe, évidemment, de l'indivision de Thomas Deschênes, en date des 21 et 28 juin 2022 pour céder les parcelles cadastrées section L 1973, 64, 68, 69, 80, 79, 77 et 75 à la communauté des communes. Le conseil communautaire décide d'acquérir les dites parcelles moyennant le prix de 9 689,55 € hors taxe et charge Madame la Présidente de l'exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier.
Y a-t-il des questions, des remarques? Non, je le soumets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité. On part à la convention de contribution au programme de services de rénovation énergétique en faveur des ménages de la communauté de communes du Seignanx pour un avenant pour l'année 2022. C'est Isabelle Nogaro qui va présenter la délibération. Oui, donc comme l'année dernière, nous avons, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, nous avons l'obligation de porter une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. C'est un service public qui repose sur 4 piliers: accompagnement des particuliers, portage des collectivités, mobilisation des professionnels et financement. Ces plateformes ont particulièrement une mission d'accueil, d'information et de conseil aux consommateurs, à la fois des informations techniques, financières, fiscales, réglementaires et nécessaires à l'élaboration du projet de rénovation de la personne. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants, et les collectivités peuvent également éventuellement déléguer ce service. Depuis le 1er janvier 2021, ce service public local est porté par Solial Land sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx. Ce service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, dénommé SAR, est proposé par l'État et l'ADEME et cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine et le département des Landes. Solia apporte un conseil personnalisé aux ménages par téléphone, mais aussi dans le cadre de permanence à la communauté de communes du Seignanx. Afin de permettre à Solia de compléter ce service par la visite de logements des particuliers qui le désirent, de type audit énergétique, la communauté de communes du Seignanx doit pouvoir financer cette prestation en passant un avenant à la convention initiale. Cet avenant prévoit le financement par la communauté de communes de 75 visites techniques et pédagogiques pour l'année 2022, pour une valeur totale de 18 750 euros, 250 euros par visite. Seules les visites effectuées seront bien sûr facturées. Vu le CGCT, le Code de l'environnement, le Code de l'énergie, le Code de la construction et de l'habitation, vu un certain nombre de dispositions, la délibération du 25 septembre 2017 lançant la démarche TEPOS, la délibération du 5 juillet 2017 lançant l'élaboration du PCAET, celle du 29 septembre 2021 arrêtant le projet de PCAET. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les termes de l'avenant annexé à la présente délibération et autorise Madame la Présidente à signer le dit avenant et tout autre document s'y afférent. Prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques ? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité des présents. Toujours Isabelle Nogaro, par rapport au partenariat financier avec l'institution ADOUR sur le dispositif expérimental MIRAPI. Oui, souvenez-vous, lors du conseil de mai 2022, nous avons pris une délibération pour 4 communes concernées par ce dispositif qui permet mieux construire après inondation, MIRAPI, qui permet d'améliorer la résilience des biens à usage d'habitation suite aux épisodes de crue, en permettant la réalisation de diagnostics et de travaux de réduction de vulnérabilité des biens, à l'image de ce qui est aujourd'hui proposé dans le cadre des PAPI, Programmes d'action et de prévention des inondations. La mesure, je vous rappelle, puisque nous l'avons vu déjà en mai, la mesure est financée en tant qu'investissement qu'en ingénierie par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs à hauteur minimale de 80%. Les territoires éligibles à ce dispositif sont ceux des 59 communes landaises listées dans les arrêtés ministériels du 27 septembre 2021 et du 21 décembre 2021. 5 communes, donc au lieu de 4 au mois de mai, puisque Tarnos s'est rajouté, sont éligibles à ce dispositif MIRAPI. L'animation de ce dispositif, je vous le rappelle, ainsi que la maîtrise d'ouvrage des diagnostics ont été confiés par l'État à l'institution ADOUR. Le reste à charge des coûts relatifs à la réalisation des diagnostics de réduction de vulnérabilité s'élève donc à 20% de la dépense. Le département des Landes se propose d'assumer à parts égales 10% chacun ce reste à charge,
assortie de conditions d'éligibilité des biens au diagnostic. La présente délibération a pour objet la mise en place du dispositif sur la commune de Tarnos, éligible depuis le 4 mai 2022. La communauté de communes ayant prévu une enveloppe de 50 diagnostics à l'échelle de la commune de Tarnos, son reste à charge sera donc de 5 000 euros. C'était 10 000 pour, si vous vous souvenez, au mois de mai pour les quatre communes. Vu la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment le dispositif expérimental Mieux reconstruire après inondation, MIRAPI, vu la délibération du Conseil communautaire approuvant la mise en place du dispositif pour les communes d'Ondres, Saint-Barthélemy, Saint-Laurent-de-Gosse et Saint-Martin-de-Seignan, vu le nouvel arrêté ministériel en date du 4 mai 2022, portant désignation des communes du département des Landes dans lesquelles s'applique le dispositif MIRAPI, considérant le caractère exceptionnel du dispositif pour les habitants du territoire en matière de résilience, deux départements sont concernés en France, les Landes et les Alpes-Maritimes. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l'engagement financier de la communauté de communes du Seignans dans le dispositif MIRAPI pour la commune de Tarnos. Approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l'institution Adour et le département des Landes tel que annexé. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Autorise Madame la Présidente à signer le projet de convention de partenariat ainsi que tout document afférent à cette démarche pour une durée de 24 mois. Et prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours. Je peux témoigner d'ailleurs d'une réunion d'information sur le dispositif MIRAPI qui a réuni ici dans une salle municipale de Saint-Martin-de-Seignan un certain nombre d'habitants des différentes communes. Alors, il n'y avait pas les Tarnosiens invités encore puisqu'ils n'ont été rajoutés finalement au dispositif que plus tard. Mais l'intérêt est bien réel et moi j'ai fait un petit sondage dans la soirée pour savoir si effectivement au-delà de l'information ils allaient s'inscrire dans une demande de prise en charge d'études et tous ont levé la main. Je pense qu'il y aura quelques sollicitations au niveau de l'institution Adour sur ce dossier et dispositif MIRAPI. Pas de questions, pas de remarques. Non, je le soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sur le Julien Fichot, sur la sixième modification du PLU de Ondres. Définition des modalités de concertation publique et des objectifs poursuivis. Tu as le micro là, Julien. On va aborder deux modifications du plan local urbanisme pour Ondres et Saint-Laurent-de-Gosse. Donc pour les deux, c'est des modalités de concertation publique et des objectifs poursuivis. Il y a eu un arrêté le 22 juin 2022. Donc la communauté des communes a engagé la sixième modification du PLU d'Ondres. Je vais citer au moins les six objectifs, sept objectifs pardon, poursuivis. Création d'emplacements réservés pour création de voiries pour la réalisation d'un équipement public pour la mixité sociale résidentielle. Modification de zonage UHC3 en USEP pour la réalisation d'un équipement public. Modification de zonage de la même manière UHP3 en USEP. Modification du règlement écrit, modification de zonage, encore une fois, USEP en UHP3, là c'est l'inverse. Suppression de l'OAP numéro 10, aménager les espaces liés à la fréquentation de la plage et modification d'erreurs matérielles. Donc les modalités, une concertation publique associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associants locaux et les autres personnes concernées sera ouverte au cours de la procédure de la sixième modification de ce PLU. Les modalités de concertation publique permettent au public pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et à formuler les observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. Donc la mise à disposition de ces documents, c'est évidemment à la siège de la communauté des communes sur le site internet et en mairie d'Ondres. Et les observations et suggestions et remarques sont à envoyer par courrier au siège de la communauté des communes à Madame la Présidente.
Donc les différents vues, donc les code général des collectivités, le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme d'Ondre, le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Bayonne et Sud-Lande, la délibération du conseil technical du 13 décembre 2018 prescrivant l'élaboration d'un SCOT, le quatrième programme local de l'habitat du Seignance 2020-2025, l'arrêté préfectoral du 19 août 2021 lié donc à la compétence pour les PLU, l'arrêté d'engagement de la sixième modification du PLU de la commune d'Aude datant du 22 juin 2022, considérant que par courrier du 4 octobre 2021, Madame le maire d'Ondre a demandé à Madame la présidente de la communauté commune de procéder à la modification du PLU d'Ondre, considérant les modalités de concertation avec le public et les objectifs poursuivis, donc le conseil communautaire, il est proposé donc d'arrêter les modalités de concertation avec le public et les objectifs poursuivis, de décider d'autoriser Madame la présidente à signer tout acte, toute pièce, tout contrat venant ou convention de prestation nécessaire pour mener à bien le projet de sixième modification du PLU. Rappelle que conformément aux articles R153-20 et R153-22 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en communauté des communes du Seignance et dans la mairie d'Ondre dans un délai d'un mois. Mention de cet affichage sera insérée au caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Et rappelle que Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Général des Services seront chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des demandes d'éclaircissement, des questions, des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour cette modification ondraise adoptée, et celle maintenant donc pour Saint-Laurent-de-Gosse. Donc, celle de Saint-Laurent-de-Gosse, finalement, on va reprendre les mêmes termes par rapport à la concertation. Donc, je ne vais pas vous relire les mêmes passages, finalement. Par contre, il y a une différence notable, c'est que donc il y a l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU, donc une zone à urbaniser fermée par son reclassement en UHC, zone urbaine d'habitat central, dans le règlement graphique afin de permettre la création d'un lotissement communal. Vous aviez en pièce jointe, donc c'est en plein bourg de Saint-Laurent-de-Gosse. Donc du coup, il faut adapter l'OAP numéro 1 aménagement du bourg. Il y a la suppression de l'emplacement réservé V2 pour la création d'un accès à la route du bourg et la rectification d'erreurs matérielles. Qu'est-ce qui diffère de la délibération précédente? Pas grand-chose. La justification de l'ouverture à l'urbanisation, c'est en plus. Ce que je viens de faire? Non, c'est ça. Ah, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Donc je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit pour rendre, c'est la même chose. Après, donc, c'est la création de logements dans le secteur donc, que je viens d'évoquer, donc d'une superficie de 13 600 m² située en plein centre-bourg. La commune est propriétaire foncier principal. Ça jouxte donc une zone UHC du bourg, donc ça fait une continuité directe. Donc évidemment, il y a un caractère éclaté de l'urbanisation existante. Donc du coup, ça a du sens de dynamiser cette centralité pour revitaliser le centre-bourg, les commerces, les services, l'offre culturelle, l'animation du village et les espaces publics. Et évidemment, intégrer les modes de déplacement à pied ou à vélo, notamment pour ce centre-bourg. A contrario, les zones de quartier dispersées dans la commune sont moins opportunes pour un développement résidentiel car favorisent l'étalement et l'utilisation de la voiture. La commune souhaite recentrer son développement sur le bourg en maîtrisant l'étalement urbain. Le programme potentiel envisage la réalisation de 15 à 20 logements. Le PLH 2020-2025 demande la création de 20 résidences principales et 2 logements locatifs sociaux et 2 en accession à la propriété. L'attractivité résidentielle et la densité proposée dans le projet d'habitation sont en faveur de la mixité sociale. Ce secteur en extension du centre-bourg serait une opportunité pour restructurer et revitaliser le bourg de la commune dans les respects des objectifs du PADD et du PLU de la commune, notamment l'objectif suivant, poursuivre la structuration du centre-bourg, recomposer le centre-bourg, définir des zones à urbaniser. Évidemment, le travail de recensement a été réalisé en tenant compte des dents creuses et évidemment des fonciers potentiels identifiables dans les zones constructibles en vigueur. Il ressort donc évidemment des potentiels éloignés du centre-bourg donc, et dont le développement serait contraire à l'objectif de revitalisation du centre-bourg qu'on vient d'évoquer. Faisabilité opérationnelle, la desserte par la voirie et les réseaux d'eau potable sera aisée puisqu'elle est déjà existante. L'accès vers la route du bourg et la route des Pyrénées sera rendu possible, une connexion piétonne est envisagée. Une gestion alternative des eaux pluviales est à favoriser par un aménagement paysager, une noue ou une gestion par
infiltration, la station d'épuration est suffisante pour desservir les nouvelles habitations. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes vues. Le SCOT, le PLU, le PLH, l'arrêté préfectoral du 9 août. Donc, considérant le courrier de Madame le maire de la commune de Saint-Laurent-de-Gonce en date du 25 février 2021, demandant la modification du PLU de Saint-Laurent, considérant les modalités de concertation avec le public, il est proposé au conseil municipal d'arrêter les modalités de concertation, de décider l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone à urbaniser du centre-bourg, autorise Madame la présidente de la communauté à signer tous les actes, rappelle que les mêmes codes articles du code de l'urbanisme que j'ai précisé tout à l'heure, donc il y aura un affichage en communauté des communes et dans la mairie de Saint-Laurent dans un délai d'un mois, et rappelle que la présidente et le directeur général des services seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération, décision. Des questions, des remarques? Oui, monsieur Dubert. On prend. Oui, juste pour savoir si le SCOT doit donner un avis sur ces deux modifications de PLU. Oui. Oui. La réponse est courte. Par contre, moi, ce que je souhaiterais, parce que je siège au SCOT, voilà, et Gilles également, et on est souvent sollicité, bien sûr, pour donner des avis, que ce soit le maire de Hondres, madame la maire de Hondres et madame la maire de Saint-Laurent-de-Gosse qui viennent présenter leur projet de modification et qu'elles puissent évoquer tous les points de façon à ce qu'on puisse après délibérer en toute connaissance de cause, mais qu'on ne soit pas des intermédiaires. Hein, Gilles Pénol, si tu en es d'accord, parce que c'est quand même mieux quand les maires se déplacent. Hein, c'est souvent la pratique au niveau du SCOT Pays Basque à Dour. Et Pays Basque, Seignanx, pardon. Et je pense qu'il faut garder cette pratique. C'était l'objet de ma question. Eh bien, je peux soumettre aux voix, donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté à l'unanimité. On passe à d'autres sujets. C'est Pierre Pasquier qui va nous présenter la convention entre la commune de Tarnos et la communauté de communes pour la mise à disposition d'une balayeuse. Pierre Pasquier. Donc, non, c'est pas ça, non. C'est l'aménagement de la voie verte. Ah, RD 26, Saint-Martin-de-Seignanx. J'en ai raté une. Excuse-moi, mais je crois que c'est même toi. Hein. Oui, c'est quand même moi. Alors, c'est quand même Pierre Pasquier. Et je reviens un peu en arrière avec l'aménagement de la voie verte, oui, sur la RD 26 à Saint-Martin-de-Seignanx. Entre la zone d'activité donc de l'émir et des remitages Norton et Château Rouge. Donc c'est la dernière phase d'aménagement de la piste cyclable, de la voie verte plutôt, qui reliera Saint-Martin-de-Seignanx à Hondres. Donc ça concerne la convention de répartition du financement des travaux pour l'aménagement de quai bus. Donc Madame la Présidente rappelle que la communauté de communes réalise en collaboration avec la commune de Saint-Martin-de-Seignanx l'aménagement de la voie verte le long de la RD 26 pour assurer la continuité cyclable entre la zone d'activité de l'Ermitage Norton et Château Rouge. Des travaux d'aménagement de deux quais bus sont à prévoir sur ce nouvel aménagement à proximité de Château Rouge, en lien avec le syndicat des mobilités du Pays Basque à Dour, auquel adhère la commune. Les travaux seront réalisés dans le cadre du marché de travaux notifié à l'entreprise Colas sous la maîtrise d'œuvre du bureau d'études Ingeo. Donc, vu l'article 2 des statuts de la communauté de communes du Seignanx, c'est notamment la section relative à la définition de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie, vu le règlement de voirie communautaire avec son annexe graphique, approuvé par délibération conseil communautaire en date du 19 juin 2019, vu la décision 2022-51 en date du 31 mai 2022 attribuant le marché de travaux à l'entreprise Colas basée à la Once, vu la nécessité de formaliser la répartition précise du financement entre la communauté de communes et la communauté de Saint-Martin-de-Seignanx concernant l'aménagement des deux quais bus, donc il est demandé au conseil communautaire, après avoir délibéré, d'approuver les termes de la convention de répartition du financement des travaux entre la communauté de communes du Seignanx et la communauté de Saint-Martin-de-Seignanx. Autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention joint à la présente délibération. Donc il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits en dépenses et en recettes. Donc rappelle que monsieur le directeur général des services est chargé de l'application de la présente délibération. Donc prends acte que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois.
Donc une convention de répartition a été jointe, bien évidemment, à cette délibération. Y a-t-il des questions, des remarques, des précisions d'ailleurs peut-être sur cette commune de Saint-Martin-de-Seignanx avec ses, ses arrêts de bus, non ? Non. Oui, oui, ça a commencé. Oui, ça a commencé depuis une semaine peut-être, à peu près. Oui. Alors on va attendre qu'Eva Belin nous revienne pour voter. Voilà, les mains propres et tout, tout va bien. Eva, nous t'attendons pour voter. Alors, qui est contre cet aménagement et cette convention de répartition ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité des présents. Alors, je fais attention de ne pas aller trop vite. Donc, toujours Pierre Pasquier. Et là, on arrive donc à la balayeuse. Voilà. Donc, convention entre la commune de Tarnos et la communauté de communes de Seignanx pour la mise à disposition d'une balayeuse pour l'entretien des pistes cyclables d'intérêt communautaire. Donc, Madame la Présidente, rappelle que le règlement de voirie approuvé par délibération du Conseil communautaire en date du 19 juin 2019 permet la création, l'extension, l'aménagement et l'entretien des voies cyclables reconnues d'intérêt communautaire. Afin d'assurer un meilleur entretien des pistes cyclables d'intérêt communautaire, une convention de mise à disposition de la balayeuse de la commune de Tarnos est proposée pour une durée de 1 an, reconductible de façon tacite, suite à la livraison de la voie verte sur l'avenue du 1er mai en avril 2022. Donc, plus l'arrêté préfectoral, donc une convention de la même manière que précédemment est jointe entre donc la communauté de communes de Seignanx et la commune de Tarnos, monsieur Lespade en l'occurrence, pour préciser les modalités de cette mise à disposition. Donc, vu l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2019, modifiant les statuts de la communauté de communes du Seignanx, vu le règlement de voirie communautaire et son annexe graphique approuvé par délibération du Conseil communautaire en date du 19 juin 2019, et considérant la proposition de convention entre la commune de Tarnos et la communauté de communes du Seignanx pour la mise à disposition de la balayeuse, donc il est demandé d'approuver les termes de la convention entre la commune de Tarnos et la communauté de communes du Seignanx pour la mise à disposition de la balayeuse sur les tronçons cyclables communautaires de la communauté. De la commune de Tarnos. Non. Non, c'est une erreur, à mon avis. Si c'est cap communautaire de la commune de Tarnos. Il n'y a pas que la commune de Tarnos, c'est toute, les, toute la, tout le Seignanx. Non, c'est pour la commune de Tarnos. Ah, c'est pour la commune de Tarnos. C'est pour éviter que nous allions, c'est pour éviter que nous allions, nous, avec une balayeuse, puisqu'on va passer un marché, oui, sur la commune de Tarnos, alors ça coûte moins cher de contractualiser avec, avec la commune. D'accord. Voilà. Ok. J'avais pas compris cette subtilité. Madame la Présidente, donc, a signé le projet de convention joint à la présente délibération. Et donc, il faut prendre acte que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'État, etc. etc. Pas de remarques particulières ni de questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité des présents. Toujours Pierre Pasquier sur la création de la voirie d'accès au nouveau site technique de Saint-Martin-de-Seignanx. C'est une convention de participation financière entre la commune, la communauté de communes et le département. Il y a peut-être quelques mots d'explication, non, avant de... Ou c'est Pierre qui va les présenter. La commune de Saint-Martin-de-Seignanx a un projet de création d'un centre technique, ici montré là. Qui sera le centre technique de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et dont une partie sera louée à la communauté de communes du Seignanx pour son centre technique aussi. Il y a aussi une partie qui sera donnée à la département, centre technique du département, et donc une voie commune d'accès à ces deux centres techniques sera créée et une convention est en train d'être passée. Voilà. Il y aura une mutualisation de cette voie d'accès. Donc la création de la voirie d'accès au nouveau site technique de Saint-Martin-de-Seignanx, donc, et c'est la convention de participation financière entre la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, la commune de communauté de communes du Seignanx et le département des Landes. Donc il y a 3 tripartites. Donc Madame la Présidente rappelle que l'actuel centre technique intercommunal est situé dans un bâtiment communal qui ne répond pas aux normes de sécurité
et dans le cadre des projets urbains de la commune de Saint-Martin-de-Seignance doit faire l'objet de libération d'emprise foncière. Le centre technique municipal, CTM, se trouvant dans les mêmes configurations, la commune et la communauté de communes ont décidé de s'engager dans un projet commun afin de mutualiser les installations et les coûts. Par ailleurs, l'unité territoriale départementale implantée à Labenne va s'installer à proximité des futurs CTM et CTI. Afin de gérer l'implantation de ces projets, la commune de Saint-Martin-de-Seignance a lancé un projet d'aménagement du site structuré autour d'une voie nouvelle. Le site choisi pour accueillir ces projets se trouve à proximité immédiate du site sportif de Gony. Donc, il est situé aussi à côté des pompiers, aussi, pour ceux qui connaissent. La commune de Saint-Martin-de-Seignance, donc maître d'ouvrage, a établi un programme de travaux d'un montant de 173 468 euros hors taxes et a sollicité la participation financière du département des Landes et de la communauté de communes du Seignance. Au regard du montant prévisionnel de l'opération, la participation financière de la communauté de communes du Seignance s'élève à 32 890 euros hors taxes. Donc, vu les statuts... De la même manière, la convention de participation est aussi jointe à la délibération. Donc, vu les statuts de la communauté de communes du Seignance, vu la nécessité de réaliser un centre technique intercommunal positionné sur Saint-Martin-de-Seignance, vu le choix de conduire ce projet en collaboration avec la commune de Saint-Martin-de-Seignance, considérant la proposition de convention de participation financière aux investissements nécessaires à la création de la voirie d'accès au nouveau site technique de Saint-Martin-de-Seignance, donc, il est demandé d'approuver les termes de la convention entre la commune de Saint-Martin-de-Seignance, le département des Landes et la communauté de communes du Seignance, d'autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention joint à la présente délibération, ainsi que tout document afférent, et prend acte, comme d'habitude, que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Juste dire que ce sont des centres municipaux intercommunaux très attendus et qu'on peut se féliciter de l'avancée des travaux. Julien, tu veux en dire un mot? Parce que je ne pense pas qu'on en ait beaucoup parlé avec les délégués communautaires ici présents. Et effectivement, c'est intéressant de voir là où on en est aujourd'hui. Oui, ben c'est sûr que c'est un projet qu'on a depuis de longs mois. C'est vrai qu'il y a eu un travail préparatoire aussi avec le conseil départemental parce que la création de ce voirie n'était pas forcément... une évidence, notamment pour le département. Donc, bon, c'est une bonne chose parce qu'on essaie petit à petit de faire des économies d'échelle. Il y a eu la commission d'appel d'offres donc, il y a quelques jours pour désigner l'architecte du bâtiment. Et c'est vrai que ce soit pour la commune ou pour la communauté des communes, c'est des ateliers qui sont attendus au vu des conditions de travail aujourd'hui en pleine centralité, qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'est Saint-Martin aujourd'hui. Très bien, donc demande de précision, des questions, non? Donc qui est contre, qui s'abstient? Donc à l'unanimité des présents, donc, et Pierre Pasquier va proposer une autre délibération, toujours sur le montage, la réalisation et le fonctionnement de ce projet commun. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, on a déjà dévoilé cette délibération numéro 13 quand même, on l'a abordée. Donc ce projet de centre technique municipal et intercommunauté porté par la commune de Saint-Martin-de-Seignan, en association avec la communauté de communes du Seignance, dont vous avez les plans, on en a parlé tout à l'heure. Et la convention, cette convention, porte sur les principes et modalités de montage, réalisation et fonctionnement du projet commun entre la communauté de communes du Seignance et la commune de Saint-Martin-de-Seignance. Donc, Madame la Présidente, rappelle que l'actuel centre technique intercommunal est situé dans un bâtiment communal qui ne répond pas aux normes de sécurité. Donc ça, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Et le centre technique municipal de la commune de Saint-Martin-de-Seignance se trouvant dans les mêmes configurations, la commune et la communauté de communes de Seignance de communes ont décidé de s'engager dans un projet commun afin de mutualiser des installations et les coûts. Donc le centre technique municipal et intercommunal sera donc un seul et même bâtiment. Le site retenu pour cette opération est situé route Océane, secteur Mirande, à Saint-Martin-de-Seignance. Donc l'emprise foncière du projet est propriété de la commune. La maîtrise d'ouvrage sera totalement communale et la totalité du projet sera financée par la commune. Donc la communauté de communes versera un loyer annuel en qualité de locataire suivant un cadre juridique à définir. Donc la convention de la même manière est jointe, donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc vu les statuts de la communauté de communes du Seignance, vu la nécessité de réaliser un centre technique intercommunal positionné sur Saint-Martin-de-Seignance,
vu le choix de conduire ce projet en collaboration avec la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, considérant la proposition de convention portant accord sur les principes et modalités de montage, réalisation et fonctionnement du projet commun de centre technique municipal et intercommunal de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Donc il est demandé d'approuver les termes de la convention entre la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et la communauté de communes du Seignanx. Il est demandé d'autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention joint à la présente délibération ainsi que tout document afférent. Donc j'imagine. Et comme d'habitude, donc prend acte de la présidente délibération. Voilà. Donc j'imagine que vous avez vu la convention, simplement spécifier que donc pour ce qui nous concerne au niveau de la communauté de communes, l'élu et l'agent qui vont suivre l'ensemble de ces travaux, donc l'élu c'est Pierre Pasquier et l'agent c'est donc Karine Loquier, notre responsable du service ici travaux bâtiments. Et donc ils seront associés à toutes les étapes utiles pour arriver à finalement un objectif, peut-être on peut voir peut-être le... On ne dit plus rien en ce moment sur les travaux. Ouais. Bon, on l'espère le plus tôt possible pour voilà, les conditions de travail des agents. Fin 2023, allez, on ose un pronostic. Très bien, donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité des présents. Une délibération sur des créations d'emplois permanents. Donc c'est la suite au recrutement de l'animateur en prévention. Il s'agit donc de créer un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet qu'il faut ouvrir. Également, suite à la mutation de notre agent responsable de l'espace numérique solidaire, il convient donc de créer un emploi permanent d'adjoint administratif et un emploi permanent de rédacteur territorial en vue du futur recrutement. Et enfin, pour pallier au départ en retraite d'un agent sur les services mutualisés avec le CIAS, comptabilité et facturation, il convient de créer un emploi permanent d'adjoint administratif. Donc vous avez compris, pour remplacer trois agents, on va créer donc un poste permanent d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, un poste permanent de rédacteur à temps complet, et deux postes permanents d'adjoint administratif à temps complet, puisqu'on ne sait pas qui va être recruté, donc on en crée deux, et on verra après à supprimer un des deux en fonction des personnes qui vont être candidates. Voilà, sur des jurys qu'il conviendra de réunir. Il y en a un d'ailleurs prochainement sur non, mais l'ENS, que ça vient prochainement, 18 juillet prochain. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces créations de postes? C'est clair. Donc, qui vote contre, pardon, qui s'abstient, donc à l'unanimité des présents. La délibération suivante donc, nous met à jour le tableau des effectifs et on voit donc la création de ce poste de rédacteur dans la filière administrative, un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe, toujours dans la filière administrative, et deux postes donc, d'adjoint administratif dans la filière administrative. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des présents. L'adoption du plan de formation 2022-2024 du personnel communautaire. Donc c'est un document obligatoire qui court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et qui donc aura pour objectif de développer la culture transversale et les outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel des agents, les compétences métiers de la direction et des fonctions support, les compétences métiers liées aux compétences de la communauté de communes, la santé et sécurité au travail dans une culture de prévention des risques et l'accompagnement des parcours professionnels pour les préparations aux concours et examens professionnels. Nous avons présenté ce plan de formation au comité technique le 14 juin dernier qui l'a adopté. Et donc on vous propose d'adopter à notre tour ce plan de formation. Donc c'est pour les personnels de la communauté de communes. Ceux du CIAS, ça sera donc traité au niveau du CA du CIAS. Donc si vous avez la curiosité de regarder ce plan de formation, je pense qu'il balaye toutes les compétences utiles pour un agent qui interviendrait au niveau de la communauté de communes et qui souhaiterait développer ses compétences métiers, techniques, administratives, projets, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Qui est contre?
qui s'abstient. Donc le plan de formation est adopté à l'unanimité des présents. L'adhésion au groupement d'employeurs à lundi. Voilà, nous sommes dans une période estivale, il y a une surcharge de travail au sein des services. Donc cette période se cumule en plus à des périodes de congé des agents et à des problèmes de recrutement, donc il convient de pallier à ce besoin de personnel. Et on essaie donc, en adhérant à ce groupement employeur à lundi, de pallier à ces difficultés de recrutement. Donc on vous propose d'adhérer à ce groupement d'employeurs, qui est une association créée, gérée et pilotée par des chefs d'entreprise et qui a pour mission principale le recrutement, la gestion administrative et l'accompagnement des salariés et pour objectif de lever les freins à l'emploi, notamment pour tout ce qui concerne les mobilités, l'hébergement, les finances. Voilà, donc l'adhésion pour un montant de 96 € pour l'année peut-être nous permettra de pallier à ces difficultés de recrutement qui deviennent extrêmement difficiles à tout niveau. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre Pasquier? Ça veut dire que des employés d'entreprises aux alentours, par exemple, pourront venir à la communauté de communes pour travailler. Donc ça veut dire qu'on va être en relation avec ce groupement d'employeurs qui lui-même va nous mettre en relation avec soit des employeurs, soit des employés qui pourront venir travailler au sein de la communauté de communes. C'est donc comme une entreprise, on va mutualiser éventuellement des personnes. D'accord. Oui, les groupements d'employeurs qui avant s'appelaient GEC et qui ont été largement... C'est usuel qu'une collectivité soit dans des groupements d'employeurs, c'est ça que je me pose comme question. Ah oui, on est partie prenante de ces groupements d'employeurs. Et d'ailleurs, on a aussi délibéré au niveau du CIAS, dans le même esprit, puisqu'on a aussi des difficultés de recrutement d'agents sociaux. Et on espère bien que, par ce biais-là, on puisse trouver, j'ai envie de dire, chaussures à notre pied. Pas d'autres questions ? Ni de remarques, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité des présents. Bon, on arrive au terme de ce conseil communautaire et j'ai envie de dire de cette année de travail qui aura été très intense. La preuve encore ce soir avec donc les délibérations, notamment sur l'équipement aquatique. Donc bon, il convient maintenant de se poser, de prendre un petit peu de ressources et de continuer à travailler. J'ai listé un certain nombre de sujets qu'il conviendra de reprendre à la rentrée. Je ne dis pas en plus des groupes de travail que j'ai déjà évoqués au niveau de l'équipement aquatique, parce que ça va quand même nous obliger à nous mettre autour de la table par rapport aux quatre thèmes dont j'ai parlé. Mais je veux parler de l'accès au logement, pour lequel il faudra aussi trouver des solutions, car c'est un problème crucial sur notre territoire. Je veux parler aussi de l'aménagement du territoire avec l'élaboration du PLUI. On rentre maintenant dans, j'ai envie de dire, du travail, puisqu'on est en train de terminer notre diagnostic et toutes nos études pour arriver finalement à se projeter sur le projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD, qui devra nous obliger à peut-être des choix politiques forts sur l'aménagement de notre territoire. Avec des éléments, on a beaucoup parlé de la loi Littoral ce soir, mais on aurait pu parler aussi de la loi Climat et Résilience et d'autres lois qui vont nous obliger aussi à beaucoup travailler sur ce PLUI et ce PADD. La question des mobilités, on en a également beaucoup parlé. On a avancé, je crois, sur un groupe de travail pour nous donner des pistes, et notamment des pistes dans le domaine du transport à la demande qu'il faudra concrétiser, mais également dans la piste de covoiturage. On relance le réseau Pousse, n'est-ce pas Isabelle? Et on aura quelques initiatives à prendre, notamment dans le courant de la semaine sur les mobilités au mois de septembre, où on va inaugurer des nouvelles pistes cyclables. On en a beaucoup parlé pendant le mandat, n'est-ce pas Pierre Pasquier? On passe à une nouvelle phase maintenant d'utilisation et j'espère qu'on va entraîner avec nous vers des mobilités plus douces puisque les enjeux le nécessitent. Également la feuille de route agricole, puisqu'on a envie d'installer davantage de jeunes agriculteurs
agriculteurs sur notre territoire en maîtrisant la hausse du foncier agricole. Le PCAET, puisque à la rentrée nous allons valider ce PCAET et un certain nombre donc de fiches actions. Ça y est, on arrive au terme avec un projet de schéma directeur des énergies renouvelables aussi qu'on doit mettre en musique. L'urgence climatique, on l'a évoqué ce soir à plusieurs voix, doit guider nos choix. Donc voilà, un bel été à tout le monde, repos, apaisement et on reprendra le travail à la rentrée. À très vite donc. Bonne soirée, merci à vous.